Hop, c'est bon, on est en ligne. Ah bah bonsoir à tous, accompagné par Yael, l'épisode 26, 9e partie de Morcelorike. Bah, petit résumé de la partie précédente. Wedge. J'étais pas là. Quelqu'un peut faire le résumé de la partie précédente pour Wedge? Ouais, j'y étais pas la partie précédente. Ah, c'est excusez-moi d'avoir une ville. Ouais. Écoute, t'as pas le droit d'avoir une ville jeudi soir. Hein. Mais on est mardi, là. Justement. Bon, alors, pour te la faire rapide, ouais, on s'est arrêté sur une petite bourgade tranquille où apparemment il semblait avoir des battleurs qui mettaient en place un spectacle. Le spectacle, c'est pas ce qu'on pensait en fait, c'est plus une foule qui était en face du bateau des battleurs et qui voulait foutre le feu un peu partout. Et on en est plus ou moins intervenu partout, hein. C'était très dirigé vers le bateau quand même. Sachant qu'ils pouvaient foutre le feu après, surtout sachant que notre bateau était amarré juste à côté aussi. Et donc, ben, inspiré par Verena, nous avons essayé de concilier ces gens. On a rencontré le fameux joueur, Monsieur Destrey, je ne sais pas si tu te souviens, le dueliste joueur. Dans la caravane au début. Voilà. Enfin, dans la diligence. La diligence plutôt, voilà. Donc, ouais. Il a éplumé des cutéreux qui revenaient de la foire. On fait littéralement plumer, c'est le cas de le dire, donc il était pas content et qu'il voulait foutre le feu partout. Alors en plus, c'est pas n'importe quelle foire, hein. Le chef de fest de Bogonafun, hein. Tout à fait, voilà, c'est... Ils mettent du temps à revenir, hein. ils sont arrivés avant vous, hein. Et donc, on a réussi à leur faire entendre raison avec difficulté. Destrey a remis une partie des gains. Et comme il tenait absolument à voir un spectacle des battleurs, parce que il s'était en mode on en a gros cire, Destrey a payé les battleurs pour qu'il y ait une représentation, ce qui nous a permis, nous, de... Avec l'argent qu'il avait piqué au cutéreux. C'est pas mal. Ce qui nous a permis, nous, quand ils ont fait de la tournée de chapeau, de payer parce qu'on était contents de leur prestation. Et donc, comme on avait payé largement, ils ont invité à partager le repas du soir. Et donc, on a fait connaissance avec des personnes très sympathiques. Voilà. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des courants assez bizarroïdes dans le clergé de Verena. Moi, je pensais que j'étais déjà pas mal, mais je suis tombé sur une puce tarbée, quoi, quand même. Ouais, alors, prends pas des exemples comme ça, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est un petit peu un cas extrême. Mais enfin, je pensais que ça te plairait de la rencontrer, quand même. Hein. Ouais, c'était sympa. Voilà, et donc on avait décidé de repartir le lendemain vers des trucs. Et je tiens à signaler qu'il me semble que Obi, qui jouait Dormtal, a réussi à faire éclater de rire le MJ et s'est récupéré 50 XP d'un coup, le salopard. Et je sais plus pourquoi, par contre. Moi non plus, mais je me souviens que j'ai bien ri. Parce que la vanne, c'était louer Verena, et j'ai dit, on peut pas acheter la justice, mais on peut la louer. Oui, ouais, c'était ça. C'est marrant, mais c'est moins drôle ce soir. Ouais, mais c'était bien amené quand même. Ouais, je crois que je vais te reprendre des 50 XP. C'est moins spontané. Je crois que je vais te reprendre des 50 XP. C'est trop tard à commenter. Bon. Mais cela dit, on est arrivé à une ville avec des monts de charge sur. Des remonts de pente. Alors, des nacelles, oui. Une ville indépendante, mais qui a une fiscalité tout aussi chère que le reste de l'Empire, malgré le fait qu'elle elle fait ce qu'elle veut avec ses fiscalités. Et il y a un mec de l'Empire qui est arrivé en mode je mets mes pieds où je veux, le tel jeune, quoi. Alors, la ville s'appelle Kemperbad, et c'est une ville franche, ce qui ne veut pas dire que c'est une ville indépendante, hein. C'est juste qu'elle est franche financièrement et qu'elle n'a pas de seigneur. C'est-à-dire qu'elle est dirigée par un conseil des deals et dépend que de l'empereur. Livre, hein, mais... Oui, non, mais non, pas forcément. C'est le comte Otto Bourmann qu'on a rencontré et aussi le docteur Maximilian Schnippmesser. Il a donné une leçon des trépanations. Oui, qui a sauvé une nana.
Ah, il a donné une leçon de trépanation à la prêtresse de Verena. Enfin. Pourtant, moi j'ai envie de dire, Kranik, il s'est très bien trépané. Oui, puis ah, si, hein. Je veux dire un dernier truc quand même pour Wedge, c'est que Béatrix a dit à Kranich que s'il continuait et persévérait dans sa voie de soldatesse, qu'il pourrait intégrer sur des de l'Empire, et tout le monde m'a fait remarquer qu'en fait non, t'étais un rebelle dans l'âme. Voilà, ça c'est, je fallait quand même le souligner parce que c'est tout vrai le monde, que tout le monde, je suis désolé, hein, c'était ma vanne. Hein. Rebelle scan, oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rebelle scan, pas dans l'univers de Warhammer. Alors, vous étiez donc. Ah, qui c'est qui respire dans son micro? C'est Penny. Ah, ça c'est Wedge. Pas Wedge, Chrome. T'as changé de micro et pourtant tu continues de respirer dedans. En fait, le truc c'est une seconde. J'avais coupé mon micro parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc j'étais en train de bouger mon. Voilà. Donc à tout de suite. Ouais. Bon. Cherche pas d'excuses. Voilà. Encore un mec qui quitte le scénar. Bon, personne d'autre. Bon, regarde TMP, s'il te plaît. Alors, vous, donc, je vous remets les images des personnages que vous avez rencontrés ou pas? Ouais. Ok. Alors... Comme ça, il y aura leur nom. Ah, j'ai déjà donné les noms. Ah, t'es une balance. Tu les as pas écrits. T'es une balance. Si tu veux, les noms dans Warhammer, bon... C'est pas hyper hyper identifiable. Pour un mec si, qui vient du sud, tout se prononce. Dont, ah bah la langue germanique si tu veux, hein. C'est moi mon délire. Je les ai écrits. Alors. Merci. Ça, c'est la ville de Kemperbad telle que vous l'avez vue. Ah oh, mais pourquoi il m'ouvre toujours la perpète les oies, pourquoi il veut pas me remettre dans le. Je sais pas qui a codé Rolling Stone, mais un sacré fumiste. Si vous voulez mon avis. Ah voilà, si le comte Otto Bormann. Alors, oh, à chaque fois, il m'ouvre ça dans mes documents. Mais ouais. Du coup, le comte Bormann, il est de bord. En fait, il a quitté le bord là, maintenant il est à terre. D'accord. Quelqu'un l'a blessé avec ses 20 soldats? Non. Il est descendu. Mais non, il était sur un bateau donc il a quitté le bord et il est à terre maintenant. J'ai mal. cet enchaînement de blagues pourraves. Et vous vous creusez quand même, hein. Vous creusez beaucoup. Hein. Mais en fait, je suis en train de meubler pendant que je suis en train de naviguer dans tous mes fichiers pour envoyer les photos parce que le mec qui a codé Rolling Steam à chaque fois. Tu navigues, tu coules. Je suis sur la continuité pour ma part. Bah, si t'avais fait un scénario avec des dossiers, tu vois, des machins. Tu vois, dans les ressources, dans le scénario de ressources, t'as des trucs pour faire ça? Alors, j'ai pas le temps, j'étais en train de préparer. Ouais, t'aurais fait proprement, t'aurais fait, j'étais t'aurais en train fait de préparer un dossier Boganafun et t'aurais mis tous les PNJ de Boganafun. Mais j'ai un dossier avec tous les PNJ de Boganafun déjà. C'est juste que il est rangé sur mon disque dur. Voilà. Alors. Voilà. Mais il est pas dans Rollisting. Non, parce que tu comprends, j'étais occupé à faire un jeu de cette famille pour des garçons, pour des enfants de 10-11 ans. Tu vois. Donc c'est une mauvaise excuse. Enfin, tout à fait. Rollisting est une mauvaise excuse. Alors, Ah, parce que si c'était des orphelins, ça peut se comprendre, mais bon. Non, justement, c'est parce qu'ils ont des parents que je me suis dépêché de faire mes trucs. Alors, vous êtes à Kemperbad, vous êtes sur les hauteurs. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? On était parti pour vendre notre cargaison. Alors, vous l'avez déjà confié en bas. Moi, en fait, il faut rentrer dans la ville et c'est payant par nombre de jambes. Mais ça avait été. T'as considéré qu'on avait pas. D'accord. Mm-hmm. Oui, mais comme on n'a pas joué la scène, c'était bizarre. En fait, on l'a joué. Vous êtes monté, Sissi. C'était payé sur le pot commun. C'est quand on est arrivé en haut qu'il y a eu la scène avec. Le médecin. La trépanation, le gars qui s'est pété la gueule, enfin, le truc, quoi. Voilà. Le truc c'est que on va vendre et puis après on va commencer peut-être à enquêter quoi.
Enfin, ouais, mais enquêter moi, je... sur quoi? Ouais, mais on a payé la nacelle, mais on a pas payé l'entrée dans la ville, si? Ou c'est la même chose? La même chose. Et on a payé. Une pistole non. Par jambe. On coupe la moitié, si vous pas vous en mettez la moitié que une seule pistole. Faut toujours qu'on aille retrouver comment elle s'appelle. Elle est telle qu'à Erzen aux crêtes noires de Grisenwald. C'est ça. Donc dès qu'on a fini la vente, si possible, le plus tôt possible, on se casse. Enfin, on se casse, ça dépend. On a un MJ, il est peut-être pas d'accord. Bon, j'ai encore rien dit, rien fait, moi. Hein. Donc il est pas d'accord. Tant que vous, de toute façon, je vous garde en ville tant que vous payez pas les deux pistoles pour redescendre. Hein. Donc il a prévu de nous nous dépouiller, ok. Alors, du coup. Bon, on va à l'auberge pour passer la nuit déjà. Vous allez chercher l'auberge. Écoutez les rumeurs aussi. Les vents classiques. Eh ben... Vous cherchez une auberge et des rumeurs. Eh ben, je sens que ça va faire un jeu de commérage. En fait, vous avez dit à Wedge pourquoi il était là, le compte Autoborman. Non, mais redis-le. Dormtal, t'as loupé un jet de commérage, c'est étonnant. Il vous restime. Ouais. Commérage. j'ai commencé la partie précédente, j'ai commencé indécent aussi. Si je fais indécent à chaque début de partie. Encore que je suis là. Et tu le gardes ton dessin ou pas? La dernière fois, on m'avait demandé de le garder et je l'ai pas fait, soi-disant que ça génère des trucs intéressants sur la table des rencontres. Vous voulez que je le garde ou pas? Mais tu... c'est toi qui foire. De toute façon, en jet de commérage, tu vas voir quoi? Tu vas avoir une nouvelle info et puis c'est tout. Allez, je vais le relancer. Hey, tes points de fortune se sont pas renouvelés, hein, je te préviens. Ah bon, hein. Ah bon, ah bon, bah j'en ai bon. Pas 4, j'en ai 2 alors. misère. Alors. Toujours tu t'attaches aux pauvres gens. Tac. Donc, Seth, t'apprends pas grand chose à part que la vie est chère, ma bonne dame. Et ça te va de pire en pire. Je vous le fais pas dire. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai payé mon pain encore plus cher que la veille. C'est quand même une honte, voilà. Ouais, enfin, si elle me dit ma bonne dame à moi, j'ai envie de te dire... non. Elle doit pas voir le prix du pain. Non, elle le dit à sa voisine, c'est ce que t'entends. C'est une information que la capitale. Hein. Voilà. Béatrix, t'as réussi ton chien, Oname, oui. Je sais pas. On est dans une ville franche, tout de suite, j'ai loupé. Pour la capitale. Hein. D'accord. Alors... J'ai rien dit, moi, mais je le pensais pas, moi. Kramish et Béatrix, qu'est-ce que vous apprenez? A priori, le comte Otto Bormann et sa suite ont pris leur quartier dans la plus belle auberge de la ville. Et elle est bouclée, en fait. Il l'a réservé pour lui tout seul. Quoi. C'est ça. Et il dit que ça commence à bien faire, tous ces nobles qui prennent possession des auberges, ça va tuer le commerce. Parce que c'est pas le seul. Il a pas compris le concept du commerce. Ah. A priori, il râle parce que les nobles... Bah si, parce que s'il bloque les rues et tout... Ouais, mais s'il prend une auberge, je veux dire que vu le prix qu'il paye l'auberge, il tue pas le commerce. Hein. Sauf si réquisitionne. Là, ouais, ça fait chier. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que vous apprenez comme bonne nouvelle? Il y a une excellente auberge, pas très loin, où on mange bien, on est bien reçu, les musiciens sont bons, et généralement il y a pas mal de passages, donc il y a moyen d'avoir tout ce qu'on veut.
Et croyez-moi, j'ai goûté personnellement un musicien avec une sauce gribiche, il était excellent. Voilà, voilà. Et, donc, et elle s'appelle comment, cette auberge? Alors, j'étais en train de regarder, soir, justement... Sur le... Hein? C'était quoi, ça? Désolé. Ah, d'accord. C'est juste un truc qui s'est lancé, en fait. Pas de soucis, c'est juste que ça nous a surpris. Le chat qui se mord les... Non, au bon melon. Au bon melon. Ouais, wow. Au bon melon. Moi, j'y crois pas, parce que c'est pas un nom allemand à coucher dehors. Ah ouais, bah ouais. Je dis ça parce que la semaine dernière, ouais, on m'a fait chier parce que c'était un nom allemand à coucher dehors. C'était le chat qui se mord la queue la semaine dernière. Ah non, hein. Ah non, ouais, non. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est le nom réduit. Le vrai nom, c'est Au bon melon, Hans Vry Dry. Bah, écoute, moi, je serais d'avis, Seb. Ça pousse le melon dans l'Empire. Qu'on aille au bon melon pour passer la nuit. Cela dit, je vous rappelle qu'il serait de bon ton de faire la transaction rapide pour continuer à avancer parce qu'on a une possible apocalypse à empêcher. Oui, bah mais oui. Ça sera... Alors oui, et de toute façon, on va être obligé de passer la nuit là, je suppose, monsieur. Oui, 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 il y a des chances. Oui. Donc de toute façon, il faut qu'on réserve notre place parce que on sait pas si la ville est beaucoup fréquentée ou pas, et si ça nous évitera de dormir dehors ou en bas et de devoir repayer le droit de passage plusieurs fois. En parce plus, qu'une pistole, c'est ouais, une pour pistole. Pour que l'impérial se fasse assassiner et qu'il boucle la ville. Voilà. Ouais. Et quelqu'un garde les livres enluminés dans le bateau. Garde quoi, t'as dit? Les livres enluminés dans le bateau. Bah, de toute façon, on va les vendre, non? Ah non. Mais non. Bah, pourquoi on les garde, alors? Bah, parce que vous devez les livrer à Dune. Voilà, oh là, c'est ça. Mais enfin... C'est compliqué, hein. Mais, quelque part, si des voleurs prennent ces livres, c'est qu'ils en avaient besoin. Donc, c'est leur rendre une certaine justice sociale. Le prix du livre enluminé, ce qu'on aura remboursé, à mon avis, ça épongera toutes qu'on nos aura, ventes ce qu'on aura, actuelles. Parce que la personne avenir. Qui est chargée de garder des livres dans son culte aura à payer, ouais. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, t'as des bouquins à vendre, Sepp. Je te conseille de les vendre au temple de Verena. Je suis pas sûr Nightmare. Que... On peut les vendre au temple. Ah donc, si, c'est la table des intéressés, c'est encore mieux. Mais bon, dans tous les cas, ouais, en gros, bah, le plan, je pense que c'est... Enfin, vous me dites si je me trompe, c'est en gros de se réserver une chambre d'hôtel et d'aller vendre, quoi. Enfin, d'hôtel, à l'auberge et d'aller vendre. Ouais. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est dans le jeu. Vous êtes en milieu d'après-midi, à peu près. Ok. Oh bah ça va, il y a le temps. Pour faire réservation, je vous laisse faire la vente là-bas et moi je fais un saut à l'église de Verena, parce que je suppose que vu la bourgade, il doit au moins en avoir une. Oui, il y a des chances, oui. Voilà. Au temple. Le temple, pardon. C'est moi, temple ou... Attends, attends, ouais. C'est moi ou Clon fait un méchant ronflement? Je fais un ronflement, moi. Ah oui, en fond, oui, il a... Alors c'est pas un ronflement, ouais, mais un petit peu, ouais. t'as une basse qui tourne. Voilà. Bah attends, je vais régler ça. Touche du métal? Non, justement. Tu touches l'ordinateur d'Obi? Non plus. Tu touches du baby métal? Ça c'est moche, monsieur. Ça va mieux comme ça. C'est violent. Bon, j'ai pas trouvé qu'on l'entendait, là, quand tu as dit ça va mieux. Et là c'est... Bah moi je l'entends. Ah, putain mais c'est bizarre, moi j'entends quasiment pas. Ah, parce que t'as un casque qui filtre. Non, moi j'entends rien, mais c'est parce que j'ai un casque. Faut dire que j'ai une phrase complète. Bah voilà, une phrase complète. Complètement complète. Ouais, il y a un petit buzz, ouais. Ouais, c'est léger, léger. Ouais, c'est... Oui, d'accord, non, mais moi je l'entends, c'est pour ça que je voulais juste. Bon, si c'est que le MJ qui l'entend, c'est buzz, Moran. Désolé. Alors, tiens, je viens de retrouver mon plan de camper bat, tu comprends? Ah, peut-être c'est ça mieux comme ça? Ah, oui. J'entends plus rien, là. Bah, c'est... je pense que c'est parce que j'avais laissé les haut-parleurs allumés, c'est pour ça. Ah, c'est revenu.
Et bah là, ça, donc je sais pas trop. Bon, ça, ça passe quand même. C'est... Oui, oui, mais c'est moins fort que tout à l'heure quand même. Alors, Kemperbad, plan. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ressemble Kemperbad. Don't you know I'm Kemperbad? On sait que t'es un mauvais campeur, je t'ai déjà vu jouer. Team Fortress. C'est pas sur Team Fortress, reste sur Team Fortress. Alors, tac. Je présume que donc vous vous rapprochez du bon melon. Ouais. Ok. Donc vous le trouvez, vous trouvez le bon melon relativement facilement. N'importe qui peut vous indiquer où se trouve le bon melon. Je parie que le tenancier c'est Roger de Cavaillon. Comment t'as deviné? Alors, tac, Kemperbad. Ah la vache. Donc c'est pas non plus une immense ville, mais c'est une ville qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerce. Je veux pas m'envoyer des fleurs, mais c'est quand même pratique les images qui s'adaptent à la taille de la fenêtre. Hein. Voilà. Alors, tu t'envoies quand même des fleurs. Autopromo, ceci est de l'autopromo. En même temps, t'es un peu sur la chaîne de Roll Steam, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Tu t'attends à quoi? À rien d'autre. Alors, et d'ailleurs, est-ce que je peux faire de la pub pour le kebab du coin ou pas? Alors. Bah, plus tard. Quand tu auras goûté aux fruits de ta récompense. Ouais! Avec 3000 vues, j'ai gagné au moins labeur, d'avoir si tu veux. Du fromage et un œuf dans mon kebab. Alors, vous donc ouais. Vous rapprochez du bon melon qui est pas. Si tu veux, j'y mettrai mon ingrédient personnel. Non. Surtout pas. Alors, on s'approche du bon melon qui se trouve. Proche de la grande place en fait. D'accord. Alors effectivement, le bon melon, ça a l'air de venir de la Bretonnie. D'ailleurs, c'est marqué cuisine bretonne. Et quand vous arrivez, il y a deux malabars devant la porte. Et quand il y en a marre, il y a des malabars. Des malabars genre je te garde la porte ou des malabars qui tapent la dispute. Est-ce que la ville me semble suffisamment grande pour avoir des elfes? Ça a pas l'air en tout cas. Donc les malabars sont là en tant que gardiens de porte? Alors en fait ils sont livrés. Ah ouais? Vraiment livrés. Perruqués et tout et tout? Ça veut dire quoi? Parce que je t'avoue que là, c'est un terme que je connais pas là. Ils sont habillés de façon identique, avec les couleurs identiques, donc a priori ils travaillent pour une maison. Alors ça peut être une maison marchande, ça peut être une maison noble, ça peut être... ils sont peut-être dans une compagnie de mercenaires, mais enfin, vu leur habillement, c'est plutôt riche. Je pense qu'il serait peut-être temps de réserver rapidement. Mais du coup, ça veut dire que le facteur de Chronopost, il les a laissés devant la porte, alors. Passe. Ouais, il a pas été livré, mais bon. Moi, quand tu dis ils sont livrés, j'ai pensé à Amazon, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Colossale finesse, comme on dit dans l'Empire. Mais bon. C'est abominable ce soir. Pas plus que les autres. Je pense qu'on va rentrer si ces gens nous laissent passer. Alors justement, quand vous arrivez, les mecs se plantent devant vous et disent « On ne passe pas. L'auberge est réservée. » Bonsoir. Certes, mais bonsoir, je suppose qu'il est poli. Voilà, déjà, et d'un. Et de deux, je suppose qu'il doit rester des places. Bah non, l'auberge a été réservée. Bah par qui, en fait? Par le seigneur de Von Falkenstein. Eh bah, c'est loupé pour le bon melon. Bon, bah...
Sauf si vous avez affaire avec le seigneur von Falkenstein, il n'est pas question que vous rentriez. Bon bah, au revoir. Enfin, moi je vois pas l'intérêt d'insister, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, on leur pète les dents. On peut avoir affaire avec lui, ça. Mais pas pour l'instant. Si des choses proposer, quoi. Ça dépend. Est-ce que le seigneur von Falkenstein est amateur de vin? Non, on va pas négocier pour aller voir un mec qu'on connaît pas, juste pour le voir, quoi, je veux dire. Non, mais pas juste pour le voir, mais attends, si ça se trouve, ce type aime le vin. Il ok, je t'arrête tout de suite. Un, on vend pas de vin, on l'a déjà vendu le vin. Oui, c'est vrai. Et deux, je veux dire, c'est la pire approche pour un commerçant que t'es en train de faire. Et c'est pour ça que je suis pas commerçant, en fait. Oui, c'est pour ça que je t'arrête. Bon, mais je te fais confiance sur ce point, tu t'y connais vachement plus que moi. Ouais. Je veux dire, si un jour on doit aller le voir, autant pas se faire déjà remarquer avec des conneries, quoi. C'est... Bon, alors donc a priori. Je suis la baronne von Zimmer, laissez-moi rentrer. Alors attends, t'es pas un mec, toi? Moi je dis sur un bon jet, ça peut passer. Allez, attends, il est habillé comme un locteux, écoute, arrête. Bon, c'est alors. C'est quoi cette espèce de un truc très de bon genre jet. PMA pour tous, bordel. Hein? Non, rien. Dans ce cas-là, bah, il y a une autre auberge sur la place. Pas la barre avec livret de vent. Ah bah en fait, quand tu regardes, tu t'aperçois que oui, effectivement, il y a effectivement deux autres auberges sur la place et qu'il y a tout, il y a des malabars devant chacune d'elles. Quoi. Moi, en fait, ça m'intéresse de savoir qui est où, en fait, même si je connais pas les noms. Par contre, si tu peux mettre les noms sur un chat ou quelque chose. Alors, pourquoi il y a autant de nobles, déjà? Bah ouais, même sans savoir pourquoi il y a autant de nobles, j'aimerais bien avoir leur nom, tu vois, pour me dresser un petit truc. Toi. En fait, je pense que le fait que le comte Otto Bormann soit présent n'est pas étranger à la chose. Mais par contre, ça me fait un peu chier, parce que si un noble réserve une auberge, on va coucher sous les ponts, là. Et comme le seul pont, ça a l'air de descendre en bas, on va coucher dans notre truc, c'est tout. Bateau. Dans notre bateau, comme tous les jours, en fait. Hein. Je veux dire, c'est vrai que t'as le cul sensible, mais quand même... Ah, mais faut repayer la descente. Oui, bah, on sera obligé, en même temps, si on peut pas on va pas dormir sous un pont, quoi. Surtout qu'il y a qu'un seul pont dans la ville. Oui, justement, et en plus, il est en corde, et en dessous, c'est la rivière. Effectivement, aussi. Si on dort sur le port, on va dormir sur le pont, en fait, un peu, hein. Sous le pont, ouais, c'est pas faux. Ouais, sous le pont. L'autre truc, éventuellement, on peut toujours poser la question, c'est pas parce que les deux Malabar nous ont dit qu'on rentrait pas que les autres vont peut-être pas nous laisser passer. Bah justement, c'est pour ça qu'on va y aller, on va sûrement se faire accueillir de la même façon, c'est-à-dire, ah non, vous rentrez pas, et on demande qui c'est qui est là. Limite, Béatrice, prépare un petit carnet, et dis que t'es fan, et que tu veux un autographe. Bah en fait, vous allez très vite apprendre que dans une auberge, donc au Bon Melon, t'as le seigneur von Falkenstein. Au Mets Délicieux, tu as le comte Otto Bormann. Mm-hmm. Et à la Dive Bouteille, tu as le seigneur von Tusla. Ok. Je demande aux passants s'il y a d'autres auberges, elles vont être prises d'assaut. Hein. Alors oui, il y a d'autres auberges, mais justement, le problème, c'est que les nobles commencent à les squatter toutes et ça commence à bien faire. Il y a trois qui c'est sont... C'est pas bon pour le commerce. Ouais. Personnellement, en tant que joueur, enfin, en tant que... j'ai grave envie qu'on investisse pour prendre la possession d'une auberge et qu'on donne et qu'on la mette à notre nom juste pour faire chier le monde. Mais je pense que c'est une idée à la con. Hein. Il faudrait se retrouver avec une auberge sur les bras et tous les hommes seront déjà logés ailleurs et voilà. Mais on s'en fout. Si tu veux, ils se donnent tous de l'importance en prenant une auberge. On se donne aussi de l'importance, c'est tout, en fait. Hein. T'as vraiment envie de claquer ton pognon à réserver une auberge? Non. Mais ça me fait marrer. Sinon, il n'y a pas un Airbnb pas loin? Alors, Otto Barban... Le seigneur von Tesla, c'est un mec assez électrique, non? Von Frankenstein et von Dracula. Alors c'est tout cela, hein, c'est pas Tesla. Hein. Il y a une différence de statut entre un comte, un seigneur, etc. Ou c'est juste des titres qui se donnent et ils peuvent être du même statut? Non, à Barry, le comte est plus puissant que le seigneur. La question c'est, est-ce qu'il y a
Si quelqu'un a la liste des grands électeurs, voir s'il n'y a aucun des noms qui correspond, parce que ça peut être intéressant de savoir. Ah bon, on doit les connaître, les grands électeurs. Mais oui, mais nous avons justement, la on a la liste. On a la liste. Vérifions cela dans nos cas. Ouais, moi je sais pas lire. Justement. De toute façon, le grand électeur, bon. Hein, en fait, c'est juste qu'ils ont une grosse carte. Ouais, démocratie indirecte, hein, mon cul. Hein. Et ça se passe comment chez les elfes? Comment vous faites pour votre empereur? Ah, mais c'est vrai, vous avez pas d'empereur! Il est élu à vie, bah si tu savais comme c'est long! Bah oui, parce que vous avez plus d'empire! Marc, c'est au niveau-là, les nains non plus, je te rappelle. Hein. Bon, priori, on n'a pas de nains dans le groupe, donc je m'en fous. Aucun d'entre eux n'est un électeur. Ouais, aucun d'entre eux n'est un électeur, okay. C'est certain. Je regarde si dans les grandes familles nobles, éventuellement, on a quelque chose, mais... Ouais. Non plus. Ouais, est-ce qu'il vaut mieux avoir... Qu'est-ce que tu prends? Un empire corrompu ou pas d'empire? Je sais pas. Hein? Parce que... Bah, ça dépend. Est-ce que t'es celui qui est corrompu ou pas? Est-ce que t'as quel pognon ou pas? Parce que la justice de l'empire, elle pue du cul. Bah, tu dis ça parce que t'as rencontré... La religion, ça pue du cul, Béatrice. La magie, ça pue du cul, à un moment... T'as été sortir Béatrice pour vérifier. Oh. Alors, je te signale que mon derrière est aussi propre que celui d'un elfe. Hein, Oh putain, c'est la merde. Je te rappelle que l'elfe pue la mort. Hein. Et s'il y en a un qui trouve la référence, quand même, il est très fort. Moi, je la connais. C'est dans Baldur's Gate, le premier aubergiste, il dit « Mon auberge est aussi propre que le cul d'un que le derrière d'un elfe. » J'avais complètement zappé ce truc-là, c'est vrai, ça me revient. Tu vois, franchement, merde, là, tu m'as fait ma soirée. Allez, 50 XP pour le sieur sombre qui nous cite du Baldur's Gate. Merci, de mémoire comme ça. Bon. Si elle que le premier qui fait une citation de Kaamelott perd 100 XP. C'est pas faux. Allez hop, un de moins. Et je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que ce serait toi qui la ferais. J'étais serpent sur ce sol. au pire, donc pour revenir à ce qui nous intéresse, si toutes les auberges sont prises, je suppose que on peut essayer de loger chez l'habitant, moyennant. On va pas se faire chier, hein, on va dormir possible dans que les auberges dans le bateau, des bas quartiers soient pas. Ah, il est possible pour une que fois les auberges des bas quartiers soient pas prises. Bah la preuve que non, il y a pas la place. Alors, moi, quelqu'un connaisse des gens dans le coin. Moi, je vais pas dormir chez l'inconnu. Ah, il y a d'autres auberges, hein, Camperbad, hein. Ouais, on a indiqué les meilleurs. Hein. Celle du poisson pourri, non merci. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Ça, c'est de la place. Le rat lubrique. Les trois auberges, donc la Dive Bouteille, le Bon Melon et les Mets Délicieux, c'est les trois auberges qui sont sur la place centrale. C'est ça. Ouais, bah on va s'éloigner un petit peu au quartier à côté, voir s'il n'y en a pas une autre. On va descendre un petit peu nos prétentions. Alors, qui me fait... Une seule personne me fait un jet de commérage pour trouver son chemin. Moi, j'ai bien envie, mais... Tu voyais. Bah, moi, je me serais proposé, mais bon, c'est comme tu le sais. J'ai plus assez de points de fortune, je vous laisse. Ouh. Voilà, je pense que j'ai réussi. Ouais, effectivement. Alors, au moment où t'arrives, t'as un gars qui s'en va en disant « Je ne remettrai plus les pieds dans cette auberge !» Et il part avec l'arme et des bagages. A priori, il était pas tout seul. Donc, eh ben nous, je pense qu'on va mettre les pieds. Et pas on met les pieds où on le veut. Et c'est bien souvent dans les auberges, Little John. Je sais pas si c'est pas mieux d'aller dormir sur le bateau si les clients fuient l'auberge. Je dis ça, je dis rien. Mais on va y aller déjà. Je veux dire, vous voulez un truc du cru, vous aurez un truc du cru. Hein. Faites pas chier. Hein. Alors, l'auberge s'appelle... La botte de Tilly. Ah, il y a une majuscule à Tilly. Et on est servi que dans des bottes. Non. Donc voilà. Quand vous rentrez dans l'auberge, tout le monde s'arrête de parler. Et tout le monde vous regarde avec un air patibulaire, mais presque. Craniche, passe devant et fais-leur ton air patibulaire, mais presque. Alors, une chose que vous remarquez, c'est que tous les mecs portent des chapeaux, mais des espèces de chapeaux ronds, comme ça, et ils sont habillés tous en noir. Ah merde, de la Bretagne. Ouais. J'aurais préféré qu'ils soient habillés en blanc avec un maquillage sur les yeux. En buvant du lait. Bon.
Et alors, ils vous regardent comme ça, et puis d'un coup, les conversations reprennent. Alors, ce que vous remarquez aussi, c'est que la plupart des gens ne parlent pas le Reichspiel. Ça vous rappelle une langue que vous avez longuement entendue, un accent, une langue, oui, que vous avez entendue dans les profondeurs de Nuln. À croire que ça a un rapport avec le nom de l'auberge. Le Tiléen, quoi, non? C'est ça. Mon Dieu, que c'était trop dur. Donc le patron vous accueille, avec un fort accent Tiléen. Alors, à vous de voir si vous voulez que je vous fasse l'accent Tiléen. C'est toi qui l'assumes derrière, je vais te dire. Vas-y. C'est ton problème derrière. Hein. J'ai pas envie de me fâcher avec nos amis italiens. Eh, hey, mais il est pas de Watu, là. Angelo. Ouais, bah... Dans ma clean, regarder un sketch de Michel Leb, ça a l'air mieux. Hein. Hey, il s'appelle Angelo. Hey, c'est l'auberge d'Angelo. Il a un bandeau de couleur sur les yeux? Non. Non, c'est pas celui-là. C'est pas Michel-Ange, c'est ça que tu pensais? Oui. Ah, si. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ces messieurs? Pour avoir des chambres. Ça tombe bien, j'en ai une qui vient de se libérer. Difficile à voir, mais il y a une dame quand même. Ah, mais je n'ai pas vu mademoiselle. Il s'approche de toi, il te propose le baisement. Est-ce que tu acceptes? Ouais, alors, enfin, compte tes doigts après quand même, hein. Non, compte ta bourse. Je crois qu'on l'entend plus de long là. Ça lui a coupé la chic. Ah, ça c'est l'émotion, hein. Il a coupé ton micro. J'ai entendu qu'il y avait sa femme qui était arrivée donc. Ah, conjuration du tlon réussi. Bon, mais tant pis pour lui. Qui c'est le patron? Bah, c'est Sabine. Et qui se débine? Bon, finalement, on va dire qu'il accepte. Vous avez une chambre pour une couronne si vous le voulez pour la nuit. Ok. Ouais, on va le prendre sur le pot commun. De toute façon. Ouais. Et une couronne pour tout le monde. Hein. Ouais. C'est une couronne. Alors, c'est grande chambre. Quand tu dis c'est une couronne pour tout le monde, c'est pas une couronne chacun, c'est bien une couronne. Oui, c'est une couronne. Oui, en tout quoi. Ouais, parce que j'avais compris au début, mais bon, comme il insiste en fait, je vais rajouter. Je vais le mettre là, donc je vais mettre sur la bouffe de la dernière fois. Il y avait ça déjà une couronne. T'as rempli de doute. Hop, je mets une deuxième couronne. Et donc, par contre, tout le reste était payé en sus. Hein. C'est juste la chambre, hein. Qui pour le coup est propre. Vous regardez les lits, ils ont l'air corrects. Non, pour une couronne, tu m'étonnes, on peut s'acheter des lits, donc. Ça doit être correct, ouais. Pour ce petit bac. T'es qui le patron? Il y en a, ils étaient réussis. Amis, là, bon. Il y a un Tiléen furieux qui a voulu baiser ta main, on t'a défendu, t'inquiète pas. Oula, j'ai très peur. Non, c'est au moment où il a remarqué. C'est le moment où il a dit bonjour messieurs, on lui a fait remarquer qu'il y avait une dame, et il s'est dit ah, excusez-moi, il est passé derrière son comptoir pour te faire le baisement. Voilà. Oula, c'est bien. Et donc, Bill, t'as compté. C'est moi qui lui ai fait remarquer qu'il y avait une dame. En plus. L'écureuil, après la partie, j'ai une annonce à te faire. Mais on verra ça après la partie. Il va être papa. Tu vas me faire ta déclaration maintenant? Après le baisse-bas, forcément. Bah, c'est ce soir le dernier jour, hein, pour la déclaration, hein, donc. Bien vu. Joli, bien placé. Le gouvernement d'ailleurs, te remercie pour ça. Cette... Maintenant qu'on parle d'impôts, ça fait penser que j'ai oublié de vous les faire payer. Pas grave, on est des évadés fiscaux. Donc, vous allez aller dans un paradis fiscal? Quelque part en Ulquing, par exemple? Non, on est dans une ville franche, il y a peut-être moyen, tu vois. Ah oui, c'est une ville qui a une imposition qui est aussi sévère que celle de l'Empire, je te rappelle. Ouais. Si on est domicilié chez ça dépend, je veux dire, s'il arrive un accident aux gars qui viennent de l'Empire, il y a peut-être moyen de s'arranger. Bon, tu sais, t'es quand même vachement proche
Et puis bon, capitale, j'ai une lettre qui dit quand même que je suis riche, hein, vous savez. Donc, voilà, vous avez une chambre correcte, mais rien. On va négocier, on va faire notre petit négoce de notre marchandise. Bah, vas-y. Marchandises, livres, armes, tout ce qu'on a en trop. Bah oui, bah. Alors, pas tout ce qu'on a en trop, il y a des trucs qui sont. Stuff, on peut pas le vendre. Mais. Ça se négocie à quel taux le magicien? Parce que. J'ai le droit d'utiliser un point de fortune là tout de suite. Alors, j'ai. Oui, mais si tu veux, il n'y a pas de souci. Il t'en reste combien? Là, 2 maintenant. Voilà, sur 56. Ok, bon. J'avais donné un prix pour les marchandises, je me souviens. Hein. Alors c'est Obi qui a géré tout, à moins qu'il l'ait pas géré cette fois-là, mais moi j'ai pas noté tout ce qui était marchandises. Hein. Oui, j'ai tout géré sur le truc. Attends, faut que je me lève, faut que j'aille à la page et tout. Faut te mettre à la page. Oui, parce qu'en plus, en même temps, t'as un mec qui me pose des questions sur le système 2D, donc forcément. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est en train de suivre le truc. Alors, non, je pense que c'est sur Discord. Non, c'est sur Discord. Que comme il fait le service après. Ouais, je pense pas qu'il parle français, le mec, donc du coup, c'est un peu compliqué pour lui, je pense, de suivre la partie. Alors, dans l'absolu, on a investi 1940 pièces d'or. D'accord. Et vous revendez l'intégralité ou pas? Bah, l'intégralité, oui. Ouais. Sachant que sur les 1940 pièces d'or, en fait, ce qu'on a acheté, c'est ce que ça vaut. Cependant, CEP a négocié, donc du coup, on l'a pas payé autant. Mais, Oui, c'est la valeur du stock, hein, c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Simplifier les calculs parce que sinon on allait mourir. Ouais, mais c'est comme ça qu'il avait fait. Alors, ce que t'arrives à en tirer, c'est. Voilà, vous avez le tableau là. Alors, je sais pas où c'est écrit. Attends une seconde. Et... Tu moulines. Bah, la marge est pas énorme quand même. Ouais, j'ai l'impression que je vais la perdre intégralement en impôt. Enfin, ça dépend. C'est après impôt ça. Attends. Ah oui, non, ça voilà. C'est tout payé, hein. Voilà. J'ai une question, écureuil. La dîme qu'on paye à notre école, c'est seulement sur les bénéfices ou les bénéfices et l'argent investi? Ah, seulement sur les bénéfices. Chaque fois que tu touches de l'argent. Si tu l'as réinvesti. Mais... Donc, c'est normal. Sur les 700 que j'ai investi, je devrais repayer l'impôt sur les 700? Non. Mais seulement, c'est, tu le payes, enfin, tu dois te noter ce que tu as quand tu le gagnes. D'accord. Quand tu le gagnes, tu te provisionnes tout de suite les trucs. Tu l'utilises pas pour faire. Tu le provisionnes dans un coin et t'évites de faire. De le mettre quelque part en vente, quoi. Enfin, tu peux. Oui, oui. Après, bon, je veux dire, je suis pas non plus à la pièce. Hein. Si jamais tu. C'est pas ce que tu dis, Rena. T'en as trop, tu donnes. Ah, si jamais t'as un peu investi pour te développer, ils verront pas si tu as fraudé, si t'as fraudé un peu. Bon, Verena, je te déconseille d'essayer de jouer à ça. Hein. Et je n'écoute pas. Alors donc, il écoute pas tes conseils quand même. Hein. Je note moi. Hein. Non, parce que toi, je suis cette année. Donc, vous voulez l'argent que vous avez gagné ou pas? Comment? Vous voulez l'argent que vous avez gagné? Ouais, ça serait intéressant. Je peux vous le mettre en ligne, comme ça vous regardez Twitch et puis vous l'avez. Comme ça on fait pas chier personne, quoi. Hein? Moi non plus, j'ai pas Twitch. Moi j'ai Twitch, mais j'ai rien. Vous allez sur la chaîne Twitch et vous regardez. Oh putain. Ça va arriver. Et puis non, c'est déjà là. Ligne, et puis vous avez le tableau. Non, Twitch, le truc qui marche pas chez moi. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, attends, c'est écrit tout petit. C'est sur mode studio. C'est bon. Quelqu'un a non, pour si la chaîne. Ah non, si c'est tout petit, moi, Twitch, il est en version de merde, je verrai jamais. J'arrive pas à lire avec qui prend quoi. Bah, tu le mets en plein écran. J'ai une pub. En plein écran. Bah, tu vois, ça fait encore plus chier tout le monde. T'aurais pu l'envoyer, ça aurait été moins chiant.
Ben, oui, mais le truc, c'est que non, parce que l'envoyer, je peux pas. Donc, je suis obligé de le dicter. Et c'est chiant. Et c'est long. Voilà. Donc, vous prenez le temps. Et puis voilà. C'est bien, t'as raison, pour, c'est vachement plus Twitch. Court de se faire chier à lire sur Twitch. Si quelqu'un le voit et peut lire. Ah, ben bon. Alors, je l'ai le truc. Alors. La belle invisible. C'est pas zoomé, c'est chiant. Oui, parce que bon, le mec qui code en Steam, il est capable d'envoyer des images plein écran qui size unique à la résolution, pas de souci. Mais le mec qui a fait Twitch, non. Investissement. Voilà, vous l'avez. Vous merdez pas. Vous l'avez dans le chat commun. Ok. Ah voilà. Donc, la première ligne, le 811. Mmh. Ouais. C'est au name, la deuxième c'est le tronc commun, la troisième c'est Kranich, la quatrième c'est Béatrix, l'avant-dernière c'est moi et la dernière c'est Seb. Ok. Ça vous va? Merci. Ouais. Donc okay. Première colonne, pièce d'or, argent et cuivre. Voilà. Ça, vous allez comprendre. Merci. Alors, hop, je reporte tout, je reporte déjà le pot. Ah oui, soutien investi, ok, je comprends. Bah, ça fait 11 couronnes pour les collèges de magie. Tu peux même compter 12 là, hein. Ouais, 12 couronnes. Ah, 19 pistoles Ah oui, oui, oui. C'est presque une couronne, hein. 12 couronnes. 9 et 7. Bon. Vous avez vu comme il essaie d'arnaquer son collège de magie, le mec? Il a du sang elfe. Ouais, au lieu d'utiliser l'arrondi automatique, il utilise l'arrondi par défaut. Vente 02. Ok. Voilà, bah tout ça, ça vous a bien la soirée. Alors, tiens, au moment où vous ressortez. Alors, tac. Je scroll, comme d'habitude, le scénario il est tronçonné en plusieurs bouts dans tout le bouquin. C'est formidable. Alors, tac. Ah, si je l'avais pas déjà pris cette image, dans le... c'est vachement bien la tondeuse à gazon. Ouais, hein. C'est impressionnant. Hein. C'est un entraînement de tous les jours. Ça demande beaucoup d'abnégation. Claire. Ma vie, mon œuvre. Entre ça et les accents italiens, tu vois, c'est... Eh, hey, mais il n'est pas de voiture, là. On a machina. Voiture en italien. Alors, à un moment, Sepp, il y a un gars qui se poste au plein de vent. Kranich. Ouais, est-ce qu'il lui a enivré le mec qui s'est posté devant lui? Bah attends, je vais vous le montrer parce que j'ai une image. Oui, c'est drôle. Mort sur le Reich, blablabla. Bam! Hey, Kranich, casse-lui la gueule! Je crois qu'il est de la main pourpre. Ah oui, ouais, mais de toute façon. Donc, il se. Enfin, au moment en fait, où tu te rapproches de l'auberge, t'es tout content parce que t'as la bourse bien pleine. T'as ce gars là qui surgit quasiment, enfin qui vient droit vers toi et je veux pas d'ennui. Et il s'approche comme ça, tout doucement. Et il a les mains bien visibles. Hein. Ah ouais. Alors. À quoi jouez-vous, Castor? Nous sommes très peinés par votre attitude. Pourquoi ne nous avez-vous pas contacté? J'aurais espéré que vous n'avez pas oublié que vous êtes supposé remettre votre bonne fortune au conseil intérieur. Et il te regarde comme ça avec son œil un peu big. On l'attrape, je m'en fous. On l'attrape quoi. Il y a un... Alors attention, vous êtes en pleine rue. Vous êtes en pleine rue, hein. Ouais. Et il a une espèce de dernier regard menaçant comme... Alors, ça vers toi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait, mais. Il tourne les talons comme ça. Il dit: vous ne nous duperez pas, vous savez. Une fois membre, toujours membre. Vous n'avez pas fini avec ça. Pire pas. Et si on le suit. On le suit. Très bizarre. Oui, je suis pour le suivre. Mais complètement. Ok. Alors, eh ben, qui va me faire un, qui va me faire un test pour le... Tu connais la tactique de t'envoies un gars, tu le fais suivre et s'il est suivi, on tombe dans une embuscade. Oui, alors. Moi, je veux en attraper pour en savoir plus.
Bah celui-là, de toute façon, il y en a deux a priori qui sont là-dedans, c'est toi et Dental, normalement. Donc... Quoi? Moi, t'es pas bon en filature. Moi, c'est en ville, je vais traîner les pieds. Hein. Oh. Alors, donc, vous essayez de le suivre? C'est l'idée. Enfin, pour moi, j'ai envie. Après, s'il y a personne qui vient avec moi, j'y vais pas parce que je suis pas taille. Tu me fais un test de perception, s'il te plaît? Si j'ai survécu plus de 70 ans dans cet empire de merde, c'est bien parce que je suis prudent. Hein. Bon, ça marche pas sur le truc, donc je vais le faire à la main. Oh, un pigeon! What? Bon, je surveille quand même ce que fait. Non, mais je le redis, hein, s'il y a personne qui me suit, j'y vais pas. Donc, si tu dis que je vais t'accompagner. Non, mais essaye de le voir alors, Béatrice. Ah, moi. Perception. Ouais, je vous suis, alors, mais je vous laisse 10 mètres d'avance. Quoi. Ouais, pareil. Pour d'être pénard. Non, Kranich, je te paye, je te rappelle. Hein. Ah, oui, merde. Bon, bah, voilà. Et même pour ça que tu as une carrière de garde du corps. Réussi alors, en perception, 25 sur 49. De combien t'as réussi ? 25 sur 49, donc okay. 24. D'accord. Quelqu'un d'autre essaie de le suivre du regard ? Moi. Bah vas-y. De 5, réussite de 5. Eh ben. Réussi de... Attends. Réussi sur intelligence. J'ai réussi de 24. D'accord. Ah ouais. Alors, vous arrivez à le suivre un petit moment, et puis vous le perdez quand même. Mais vous avez quand même réussi à le suivre un bon moment. Il a traversé la moitié de la ville. Hein. Mm-hmm. C'est louche, c'est pas naturel. Vous l'avez laissé échapper. Et finalement, il vous a perdu dans le temple d'Henrich. Il y a du commerce. Hein. Où il y a beaucoup de marchands. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a beaucoup de marchands à Camp Vu qu'on est au temple d'Henrich, tu sais quoi? Je vais mettre un peu de sous. Hein. Hop, je me mets sous Chrome, voilà. Ah oui, puis ça se fait de remercier... C'est l'idée, je mets une couronne, deux couronnes sur ce que j'ai gagné dans le temple. Alors, c'est pas grand-chose, mais comme je l'ai fait à chaque fois, voilà. Ça se fait de remercier Henrich quand même quand on a gagné de l'argent. Particulièrement quand on est commerçant. C'est un bon impérial, quoi. Je vais mettre aussi... Pognon, combien j'ai? Putain, je suis pauvre. Mais aussi deux couronnes. Le gars, il a gagné 800 pièces d'or, tu sais. Ah non, mais il m'en faut 1000 et. Ouais, 1000 mais 1000 j'aurais dans, pas dans, le droit dans, de dans 200 séances, donc bon, ça va. À ma prochaine promotion. Oui, c'est-à-dire en combien de temps? Ah, je sais pas, ça dépend du MJ. Ah, pas ta et du nombre de jeux que je lui offre carrière. Aussi. Sa prochaine carrière, ouais. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, il a réussi à vous esquiver. Il a l'air d'être plutôt bon, gars. Alors, autant il avait pas l'air... il avait l'air un peu bigleux, quand même, le gars. Un peu bizarre et un peu voyant. Et autant, il a quand même réussi à s'esquiver de façon assez remarquable. Gazmodo, un peu, non? Quand même pas, mais... Voilà. Bon, on va de nouveau avoir des assassins aux trousses, génial. Ah, nous, les mercenaires de Castor, ne craignons rien. Mercenaires de... Ouais. N'en rêve pas, hein, je vais pas te payer, je paye qu'un seul garde du corps. Et c'est que non, mais au moment... s'il y a un autre de la main pourpre qui nous accoste, je nous décris comme les mercenaires de Castor Liberum. Je te déteste. Je te déteste. Sache que si tu fais ça, je te déteste. Parce que j'ai quand même fait ouais, le maximum pour pas qu'on me prenne pour un gars que je suis pas, quoi. Hein. On a avancé dans le mystère, hein. On sait que Castor Liberum appartenait à la main. Mais du coup, on le savait déjà, en fait. Est-ce que le comment dire, la personne où tu te fais passer s'est fait sucer par un canard ou pas? C'est important de savoir. La queue plate, je pas, sais quoi. Pas si je dois répondre en fait. J'ai un doute. Ne réponds pas. Bon, du coup, on a vendu notre la camelote. Est-ce qu'on réinvestit et on achète quelque chose d'autre? En tout cas, là ce soir, ça va être dur. Hein. Ouais. Et oui, puis si après, c'est pour le livrer dans le port d'à côté à Nuln, je suis pas sûr que ça rapporte. Non, mais bon. Oh, nul, moi j'avoue que j'ai bien envie d'aller faire les magasins, m'acheter quelques pièges à loups pour disposer dans les chambres. Mais ça regarde que moi. Hein. Paranoïaque.
Ah non, non, là, c'est pas de la paranoïa. Ah. Pour le coup, il nous a un peu, il a un peu menacé directement. Je veux pas dire, mais... Chrome vient de perdre 100 XP, il a fait une référence à Kaamelott. Ouais. Elle est bien jalouse, c'est une référence à Kaamelott. Hein. Non, pas vraiment. Alors, c'est une référence à d'autres parties de jeu que j'ai fait, où on a acheté plein de pièges à loups et Kaamelott n'était pas encore sorti, donc... Ouais, si. Ouais, non. Moi, j'utilise très souvent les références aux pièges à loups et pièges à ours, mais c'était dans un tout autre référentiel, et je ne peux pas le souvenir que ça soit lié à Kaamelott. Ouais, ah bah si, il y a un épisode complet, j'en ai rajouté, où il protège la cuisine de Caradoc. Ah ouais, c'est pas faux. Oh. Ah, il est mythique cet épisode. Mais non, c'est pas en référence à ça, pour le coup. Je vous ai mis le texte, comme ça. Le texte de quoi? Le texte d'avertissement. Hein? Qui nous a dit? Bah oui. Oui. J'essaie maintenant de vous donner un max d'informations alors... visuellement, c'est cool. Oui, mais alors, du coup, non, j'ai pas la queue plate. De déterminer le prix de sa tête pour la main pourpre. Si on le bute et qu'on le donne à la main pourpre, est-ce que la main pourpre nous paye? Alors, la question c'est de savoir combien d'argent devait-il toucher avec l'héritage. C'est marqué un peu hein, sur l'héritage et c'est niette. C'est parce qu'on fait de l'argent qu'on va leur filer de l'argent. Vous vous souvenez de combien? Ah non, mais c'est toi hein, qui leur donne de l'argent. C'était pas 20 000 moi, pièces d'or, je crois. Je pas, ah, c'est genre, ça, 20 000 rien du tout, non, je suis pas Castor Liberung. Bah, ce serait bien qu'ils touchent cet argent. Oui, mais ils ont pas l'air de comprendre. Hein. Oui, bah c'est pour ça qu'on va tous les buter. Oui. Parce que quand une fois qu'ils sont tous morts, ils ont compris. Bah, c'était trompé. Ouais. Du coup, vous êtes autant que le seul que j'ai vu résister à une corpo, hein, c'est super beau. C'est vrai, je dois faire des références à Cops. On n'entend plus de Non, mais c'est vrai, je veux dire... Oui, si, il est toujours là. Et ouais, tu es toujours là, quoi. Oui, toujours là. En train de lire, non. Voilà. Bon, bah, du coup, il est quelle heure? C'est la soirée. Vous avez fini de négocier en soirée, il se fait faim. On va à l'auberge manger soif, un morceau et dormir. Et bah, ça va être sympa. Donc, vous rentrez à l'auberge. Yep. D'accord. Vous rentrez et tout le monde vous regarde, le silence se fait. Mais ça dure moins longtemps que la première. Et les gens reprennent qui leur partie de dés, qui machin, qui ceci, qui cela. Alors, il y a un ménestrel qui est là. Et il chante Antilien, c'est marrant. Hein. Alors, a priori, ça a l'air d'être un truc sirupeux. Il chante en plus avec sa mandoline, et puis il a une espèce de rose au bout de sa mandoline. Il chante son truc. Donc, les serveuses le regardent d'un air béat, mais les autres ont l'air un peu blasés. Il chante ça à propos d'une maison de retraite. Tu gueules un grand coup, c'est quoi cette langue de singe? Je veux rien. Hein. Tu fais vraiment ça? Non. Ça va pas la tête. Ouais, je le trouve très impulsif au Naïm ces derniers temps. Il y a beaucoup de craniques en lui, je dirais. Il s'enflamme, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, c'est le sang du mage de feu. C'est son côté mage de feu qui ressort là, tu vois. Et le côté sang chaud là. Ou sinon, tout simplement, il prend confiance. Ouais, non, mais c'est le côté sang chaud quoi. Ah, pas le... Ouais. Si, seigneur. Bah, du coup, on va demander pour manger. Ouais. Bah, il vous propose. Alors, il vous propose un truc. Alors, c'est. Quand il vous propose le menu, en fait, vous comprenez que dalle, quoi. Si, quoi, les mains, ça va être bon. Bah, écoute, moi je le crois. Je demande du bon. Prosciutto. Voilà. Alors, tu sais parler? Bah, je sais dire prosciutto. C'est dire. Il sait dire pizza margarita, pizza vongole, pizza frutti di mare, pizza quattro flambaggi, ouais, pizza à l'ananas. Ah mince, il est mort. Alors voilà. Bon, bah, il vous propose des trucs. Bon, bah, finalement, vous décidez pour un truc que vous. Qui bonheur la chance. Ouais, et un schnapps surtout. Enfin, parce que bon, ça au moins, ça se dit partout. Alors, j'ai pas de schnapps, mais j'ai un truc qui pourrait vous plaire. Bon courage. Je le regarde d'un air suspicieux.
Comment ça, il a pas de schnapps? Il est dans l'Empire, bah, il a pas de schnapps. C'est du vin de pied qui va te filer. Voilà. Je veux goûter d'abord avant d'acheter. C'est du vin, de pied qui va te filer avec une étiquette. Tu vois? Avec une étiquette un peu chaud. Mais bon, non, je veux qu'il me montre d'abord. Je veux pas de mauvaise surprise. Comment ça, tu fais pas confiance à cet honnête marchand? Attends, moi, si c'était je te mets un coup derrière la nuque, j'ai dit non, tu goûtes, tu prends. Derrière la nuque, dans les côtes, non, c'est plus. Oui, je regarde côté, Seb bizarrement, mais. Alors il te ramène une petite bouteille qui est toute ambrée et il te sert. Il dit goûte, ah, ça fait chanter le palais. Je sens déjà. Ah, ça a l'air bien fort et bien sympathique. En tout cas, ça a l'air... Comme un mariage. Voilà. Et ouais. Est-ce que ça me rappelle l'Ostermark? Non, pas du tout. Au contraire, c'est comme si tu prenais de l'eau de vie et que tu mettais du soleil dedans. Bizarre, bah un truc que tu n'as jamais connu en Ostermark. Hein. Ouais, justement, déjà le soleil, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, non, c'est l'équivalent de la Bretagne, c'est ça en fait. Vous avez plutôt tendance à mettre le brouillard en bouteille. Ouais, c'est à peu près ça. La première fois que je suis sorti d'Ostermark et j'ai vu le soleil, je croyais que c'était une manifestation du chaos, alors c'est vous dire. Et en fait, c'est super bon. Ah bah, je lui fais un grand sourire. Alors, ça c'est la grappe. Eh bah c'est pas mal votre gras machin là. Eh le gras c'est la vie. Exactement. Et le pas c'est l'alcool. Moi sans respect. Le gras c'est la vie, la grappa c'est l'eau de vie, oui. Bah banco, hein. Je dis aux autres avec un grand sourire que c'est pas mauvais, hein, franchement. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Il aurait du sang aussi, c'est sympa. On va tous prendre un pot, du coup. Non. Moi, j'ai été menacé de mort. La dernière fois que j'ai pris un pot, quand j'étais menacé toi, de mort, c'était mal bouteille. Fini. Non, c'est mal fini. Et là, je suis pas désespéré, je suis énervé. Je veux me le faire, le type. Ah, ça y est, j'ai trouvé le nom de... J'ai trouvé le nom de l'épisode. Sambuka et mafieux, non. La bad trip à Kemperbad. Personne n'en grappa. Personne ne grappe pas, c'est très bon ça. Ah, ça joli! Bah écoute, oui, je reprends un autre que bah, forcément que je paierai. Et à la rigueur, je suis tellement content d'avoir trouvé un truc sympa au moins dans cette ville que j'offre une tournée à mes petits camarades. Ok. Ok, bah. Tu vois que le patron se sert quand même. Sérieux! Bon, la bouteille passe, hein. Oui, allez, ça ne compte pas sur les verres que tu me dois. Donc, effectivement, la grappa, vous goûtez, c'est bon. Alors, il vous sert des mets plutôt délicats, avec des saveurs que vous ne connaissez pas bien. Il vous fait griller des légumes et ça marine dans l'huile. Alors, au début, vous regardez ça d'un air un peu comme ça, puis finalement, vous apercevez que c'est super bon. Vous faites cuire la viande? Tu vivais où déjà? Rappelle-moi, parce que là j'ai très peur quand même. Hein. Ah, c'est pas contre le Starbucks, c'est assez couillu. Hein. Déjà, il fait tellement froid que tu fais cuire rien du tout. En fait, donc vous êtes plutôt en train d'apprécier le repas. Alors, étant donné que vous mangez le truc local, vous apercevez que les autres ont l'air moins hostiles autour de vous en fait. Ça doit être l'effet grappa, certainement. C'est bizarre, plus je vois, plus je sens qu'il y a moins d'hostilité, dis donc. C'est pour ça que je bois pas beaucoup. Donc, j'ai oublié de vous dire que l'individu que vous avez rencontré, il était bien en pourpre. Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Non, celui qui non c'était important quand même de le savoir. Maintenant, je sais que dès que je vois des gens avec du pourpre, voilà. Par exemple, le noble du coin qui vient d'arriver, il est habillé en pourpre, c'est fini pour lui, quoi. C'est ça. Les sorciers du feu qui sont souvent habillés en pourpre. Ah, mais ça vient peut-être de là, hein. L'empereur Ferdinand se débarque avec du pourpre et tu le zigouilles, quoi. Voilà, tout va bien. Il n'avait pas qu'à se balader dans cette voiture en pourpre. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il cherche.
Alors si tu fais un attentat sur le prince Ferdinand dans sa voiture et tout, tu vas nous faire une situation à la Balkan, quelque chose de bien. C'est un peu l'idée, hein. Alors, au moment, enfin, vous êtes en train de manger votre truc avec un plaisir non dissimulé, la porte s'ouvre, et alors vous voyez deux mecs habillés tout en noir qui rentrent dans l'auberge. Alors, à leur gueule, clairement, vous voyez que ce sont des spadassins. Ils veulent réserver l'auberge. Je peux pas m'empêcher de me foutre. Quel mauvais goût, le noir, c'est plus du tout à la mode, quoi. Alors, en même temps, c'est que t'as vu tes proportions sur la mode, bon, on va pas t'écouter, ils vont pas t'écouter, tu vois. Alors... Alors que le pourpre, ça le fait vachement mieux. Par contre, contrairement à tous les mecs qui sont habillés là, ils ont pas l'air de Tiléens, ils ont l'air de vraiment d'impériaux, quoi. C'est le genre grand blond aux yeux bleus, tu vois. Arzo. Ils ont la main sur l'épée ou Alors ils rentrent, non, mais ils ont l'air d'être. Enfin, tu vois quand même que quand ils rentrent, ils regardent la pièce. Alors d'un coup, tout la musique, le bruit, tout s'est arrêté quand même. Hein. Ils mettent l'ambiance, les mecs. Hein. T'as deux mecs qui rentrent derrière. Alors ils sont aussi chamarrés que les autres sont ternes, tu vois, en termes de couleur, tu vois. Et il y a de l'argent, il y a du tissu chamarré, coloré. Deux mecs qui rentrent. Alors ils ont déjà une bouteille chacun et une coupe chacun à la main. Ça me rappelle la Bad Trips. Ouais, moi aussi, ça me rappelle un très mauvais souvenir dans une capitale. Oui. Ah, quel charmant estaminet. Je vois qu'on s'amuse. Ah non, tiens, il n'y a plus de musique. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de musique? Je blémis. Alors, ouais. Bah écoutez, il est besoin de vous dire ce qui est en train d'arriver. Ils veulent réserver l'auberge. Deux nobles anglo-guettes viennent de rentrer dans l'auberge. Non, ils viennent visiter les boubouis locales pour faire local. Ah, d'accord. On va te prendre des bars, non? C'est tellement pittoresque. Alors... Et donc, choix, c'est du pêche. Je demande à ce qu'on remette la musique. Comment? J'ai pas compris. Je demande à ce qu'on remette la musique. Enfin, qu'on continue à jouer. Remets une pièce dans le jukebox. Oh, regarde! Il y a même un elfe. Oh, regarde! Il est même blessé, il sait parler. Oh. Je sais pas pourquoi, mais j'ai allé dans ma chambre, mignon. En fait. Hein. Je les aime bien. Oui. C'est noble. Et t'as de la chance, l'elfe. Hein. T'aurais pu rentrer dans une auberge. Continue avec à m'appeler comme ça, et la prochaine fois que vous me parlerez, ça sera en langue des signes. Tu leur dis ça. Comme il est spirituel, regarde, le langage des oiseaux, c'est tellement mignon de la part d'un elfe. Non, ne vous levez pas, Onesme, tu veux te manger un coup de poing ou... Non, j'ai rien dit, moi. Alors, en fait, vous voyez quand même que les... Ouais, c'est alors, les Tiléens font tous grise mine et font tous... Alors, ils leur jettent des regards méchants, mais la tête baissée, quand même. Hein. Ouais, mais pas trop, parce qu'ils ont un peu des gens en armes avec eux. Ouais, c'est par contre, le truc, c'est que, par contre, comme vous avez commencé à répondre, vous voyez que les spadassins se sont déplacés vers... Alors, bon, mais bien évidemment, ça commence à se moquer d'un peu tout le monde, mais au bout d'un moment, les mecs remarquent que vous avez de la grappa sur la table. Ah, et merde. Laissez-moi goûter ça. La bouteille est vide, hein, donc ils peuvent. Alors, en fait, il en reste dedans. Donc, ils saisissent la bouteille. Enfin, il y en a un qui saisit la bouteille. Ils goûtent ça, et il recrache ça. Sur qui, d'ailleurs? Alors, voyons voir. Il n'y a pas un générateur aléatoire de. Bah, ça de s'appelle victime. Un dé. Ça s'appelle sombre. Bon. Ouais, tu peux faire un. Allez, hop. Tu peux te faire un dé qui fait 1 L entre crochets le nom de chaque personne avec une virgule entre chaque nom. J'ai pas envie de m'emmerder à le faire. Exclamation au début. Il y a combien de joueurs? 5. Hein, ah, mais. Bah, ouais. Hop, de là. 5. Tu peux te faire un alias et puis voilà. Quoi. Ah ben, manque de bol, ça tombe sur toi, dans le pardon.
J'ai vu qu'il va perdre vraiment des morceaux. Ah, mais c'est horrible, le bouton. J'évite, j'esquive. Comment ça horrible? Alors, il te le recrache, mais alors en mode pulvérisation large. Hein, je veux dire, il t'a visé toi, mais il touche un peu les autres aussi. Hein. Mais enfin, mais vous avez pas honte? Un aussi bon truc. Oh, regardez, les paysannes parlent aussi. Les vêtements. Oh, comme c'est mignon. vous savez combien ça coûte une tenue comme ça? Au moins 80 pièces d'or. Hein. Oh. Et il regarde. Oh. Et en plus, il parle notre langue. Oh. Si, il est quand même bien dressé. Brave bête. Il te tapote la tête comme ça. Tu vas perdre des doigts aussi, lui. s'il y arrive, alors, parce que je vais mettre 90... Il y a un spadmaster qui s'est rapproché de toi. Hein. Comment? Il y arrive parce qu'il fait 1m89. Il y arrive, je fais 1m89 quand même. Hein. Oui, d'accord. T'es assis, non? Pas faux. Bah non, je me suis redressé. Ah bah tu te redresses, y'a pas de soucis. Tu vas être gratouille de menton. Alors, au moment où tu veux te redresser, quand même, t'as un spadassin qui vient de coller, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Bah en fait, je suis pensé maintenant... On monte les dents? Non, 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 parce que c'est... pour l'instant, on subit... Moi, je m'en fous, je suis à côté de Kranich et je regarde ce que fait Kranich. Hein, Kranich, qu'est-ce que tu fais? Kranich! A priori, on a perdu Kranich. Ouais, je me retourne, je dis au spasa... Au spasa... Oui. Au garde. Au spasada. De reculer. C'est passé. Le mec te toise. Alors, il doit bien mesurer 1m90. Hein. Et il ne bouge pas. Par contre, il a la mâchoire légèrement clippée. Et sa main est proche de ses gardes. Et quand je dis de ses gardes, c'est qu'il en a deux. Je m'adresse au noble qui a fait pulvérisation large. Là. Mm-hmm. Noble seigneur, vous voudriez peut-être nous faire goûter un bon breuvage, si vous considérez que celui-là est de mauvaise qualité. Éclairez-nous un petit peu. Nous ne sommes pas habitués à boire les nectars que vous avez l'habitude d'avoir. Oh, elle fait des mots, regarde comme c'est charmant. J'ai toujours pas compris que ça sert à rien de parler avec eux. Hein. J'essaye de détourner ou de désamorcer la bombe d'Orbdal qui va péter à la gueule du spalassin. Oh, puis regarde, elle a aussi quelques qualifiés. Alors, s'il commence à parler de mes symboles de Verena, ça va pas passer. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Oh! On dirait bien une chouette. Oui, c'est une chouette. Ah, j'ai une très bonne histoire sur les chouettes. Mais vous la comprendrez pas, elle est trop intelligente. Ils se mettent à rigoler tous les deux. Comme si c'était une très bonne blague. Vous voyez quand même que tous les gens sont crispés dans l'auberge. Ouais, bah je comprends. Hein. Le spadassin laisse passer Dormtal ou pas? Hein? Non, 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 non. Moi, je sais toujours pas ce que fait Kranich. Hein. Il y a du disparaître. Ah mais moi je veux aller à mon ah, attends, il y a Kranich qui essaie de parler là. Kranich? Bah moi je te suivais de toute façon, parce que de toute façon c'est mon boulot, donc voilà. Bon, on voulait juste savoir si tu t'énervais et si tu le rentrais dans le lard ou pas en fait. C'est ça, je te demandais ta réaction parce que je me mettais à l'abri. Moi je suis chaud à ouvrir le bal si vous voulez. Non mais ça mérite même pas. Je vous préviens que mon ami Onaim ici a des problèmes de digestion et quand il digère mal, il ventile. Hein. C'est aussi une référence. Mais non, mais ça sert à rien de... Bah pour l'instant, je pense qu'on va subir hein, parce que ils sont très lourds et très cons. Donc, Bon, je suis pas d'accord. Un sort de sommeil sur le spadassin, déjà, ça devrait les calmer. Tu lances un sort de sommeil? Non, non, mais si j'ouvre le bal, c'est avec un sort de sommeil sur le spadassin. Alors... Lui qui se colle à celui qui se lève, il se colle à moi, il y a déjà contact. J'incante, canal. Pouf. Alors, est-ce que tu annonces que tu vas le faire ou pas? Non, demande aux autres. C'est une très... oui, mais attends. Si tu le dis aux autres, faut que tu l'annonces. Hein. Sauf si tu télépathes. On fait rien. Pour l'instant, on subit et on évite de faire ce qui s'est passé à la capitale. Donc voilà. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, ta gueule. Tu n'en parles pas, tu te tais.
Il se passe à la capitale, reste à la capitale. Reste à la capitale. Bon. Donc pour l'instant, on subit. Eh ben, vous me faites tous un test de force mentale. Et je vous autorise un bonus de plus 10. Parce que vous avez déjà vécu cette situation et que vous savez où ça peut vous mener. Quoi ? Un test, de force mentale. Parce qu'il va falloir résister aux conneries qui vont nous sortir. Pile. 49 sur 49. Voilà. Enfin, 50 ma force mentale. Parce que, enfin, je réussis, ça va le bonus. Réussi. Ça va être. Ah, ça y est, je l'ai. Te connaissant, j'ai bien une idée, Béatrix, mais je suis pas sûr que ça va te plaire. Eh, c'est réussi. Non, mais ça va être raté pour moi. Eh, ben voilà. Veux-tu dépenser un point de fortune, Wedge? Non, c'est bon, je vais aller leur casser la gueule. Wedge, alors, t'es donc... Wedge. T'es pas, pas Kranich. Ah, pardon, désolé. Voilà, je suis Kranich. Ouais. Donc ça comptait pas, en fait, le jet. Par contre, Onaim, si tu veux faire un sort de sommeil sur Kranich, fais-toi plaisir. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une interruption chez moi et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai entendu qu'il fallait lancer des dés et je suis même pas sûr que je devais les lancer, mais bon. Oui, c'est un jet de force mentale plus 10. Pour voir si vous arriviez à accepter les colibés le temps qu'ils soient là. Et a priori, le Sir Wade a fait un 83 et il a décidé de ne pas les relancer. Kranich. Donc, vous voyez qu'au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, vous voyez que Kranich, il commence à avoir les naseaux qui commencent à furieusement montrer des signes d'énervement, quoi. Voilà. Allez, c'est pas le moment d'aller dans l'écurie pour aller sur un bout de bois. Ouais. Kranich, je dis à Kranich, ils ont insulté ta sœur. J'ai pas de sœur. Ah merde. Ouais, okay, je c'est... trouve que le bâche de feu jette de l'huile là, tu vois. Donc tu essaies de le faire sortir, c'est ça? Bah oui, ouais, parce que je vois bien que ça commence à... Ok, bah écoute... Je l'accompagne. Tu as le droit à un jet d'esquive, sur Kranich. Voilà. Esquive. Agilité pure non, c'est esquive. T'as pas une compétence esquive? Si, j'ai une compétence esquive. Mais c'est sur agilité de toute façon. Oui, mais je sais pas, tu pourrais l'avoir à plus 10. Oui, je l'ai à plus 10. Fais un 100, comme ça tu y marches sur le pied, ça va être cool. Ah, bon, voilà. J'ai largement réussi. Alors, tu vois qu'au moment où Béatrix t'exhorte fortement à aller au commédité, en fait, un énoble s'est rapproché de toi, essaye de te faire un croche-pied, mais t'arrives à laisser. Ouais. Ah, regardez ça, il danse. Il sait danser. Musique, maestro, musique. Un pain dans la gueule. Alors, vas-y, un petit test d'initiative, s'il te plaît. D'ailleurs, tous ceux qui veulent intervenir ont droit à un test d'initiative. Moins 10. Tous ceux qui sont en côte de maille ont moins 10, hein, je vous rappelle. Ça me fait flipper quand je fais un test d'init, parce que... Ah, seigneur. René, il a fait 10. Joli. Est-ce que mon dé explose? Non. Pas de... Alors, à part Béatrix, il y a 38. 48. Oui, mais t'as une côte de maille. Ah oui, 38, pardon. Et Sep, qui est à... T'as une côte de maille aussi, Sep, non? Non, t'as pas de côte de maille. J'en ai pas. Et Kranich, il est au-dessus. Oui, à part Béatrix, tout le monde a initiative sur eux. Donc, Béatrix, que veux-tu faire? Donc, je vois Sep qui. Le point de Sep qui se ferme et qui se dirige directement vers la fosse. Non, pas Sep. Mais arrête d'anticiper ce que je ne fais pas. Hein. C'est pas cool. Bah écoute, comme je pense que je vois que je vais pas pouvoir arrêter le point, je vais essayer de me mettre derrière le type pour le récupérer quand il va s'en manger une. Juste pour le retenir et qu'il se casse pas la figure. Ah oui, attendez, par contre, j'ai pas fait l'espèce d'assassin. On a de la chance. Alors, le premier noble essaye de, en fait, de balancer à Kranich sa bouteille, en fait.
Quant au deuxième noble, comme il t'a vu te lever, il a décidé de te faire te rasseoir, en fait, Béatrix. Enfin bon, il a les mains baladeuses. Hein. Voilà. Non, ensuite, ça, c'est à Cédille la baleine. C'est à Kranich. T'agis en même temps que les deux spadassins. Je t'ai dit où est-ce que mon point allait. D'accord, ok. Enfin, tu pourrais modifier ton intention étant donné que tu vois ce qui est en train de se passer, quoi. Mon point va toujours dans sa tronche. D'accord, ok. Bah, j'ai loupé mon test de force mentale. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Des courses, y a pas de soucis. C'est beau la volonté comme ça. Ok. Oui, c'est ça, c'est beau, la les spadassins dégainent tous les deux leurs dagues. Sérieux, hein. Ouais. Et en fait, ils vont essayer de s'interposer. Enfin, il y en a un qui va essayer de s'interposer vers toi et l'autre Il a décidé de regarder qui est le plus dangereux dans le groupe. Il a décidé que l'elfe l'était, donc il commence à menacer l'elfe. Voilà. Normal, il a les oreilles pointues, c'est un truc de diable. Alors, ils attaquent pas, hein, mais il est juste menaçant, quoi. Ils ont l'air en alerte, si c'est ce que vous voulez savoir. Donc, du coup, le sieur Sepp. Sepp, il trébuche sur Kranich. D'accord. Le but étant de me prendre le point à la place du noble ou du gars qui est devant, pour pas que Kranich lui arrive une connerie. En gros, d'accord. Je suis le mec bourré qui trébuche sur Kranich, genre « Oh, désolé !» D'accord, tu trébuches pour le faire tomber ou tu trébuches juste pour te... Ah bah, s'il faut le faire tomber, je le fais tomber. Hein, non mais c'est pour savoir si t'essaies de le foutre à terre ou si t'essaies juste de te mettre... À la base, c'est plus se mettre, s'interposer. Mais d'accord, ok. S'il faut que je le mette, que j'essaie de le mettre à terre, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est plus s'interposer. Est-ce que je peux arrêter Kranich dans son mouvement ou pas? Je considère que t'es à l'autre bout de la table, donc non. Enfin, en tout cas, il serait pas assis à côté de toi, et plutôt en face, mais ça reste Kranich, hein. Le grand amour. Bah, il n'oublie doit des pas bières, qu'il doit encore 6 bières, protège ton investissement. Bah oui, mais bon. Tu vois, je commence à parler elfe. Ouais. je vais me retourner devant le spadassin là qui me jauge et je vais lever mes bras pour lui cacher la vue. D'accord. Ouais, tu t'arranges pour qu'il voit plus ce qui se passe de l'autre côté. Ok, ça va. Ok, bah écoute, donc tu te lèves, tu t'interposes, l'autre il dégaine sa dague pour... Bon là, il essaie de regarder un peu ce qui se passe, mais comme tu bouges en même temps, il a du mal à juger de la chose, ok. Sepp, tu me fais un test de combat au corps à corps, s'il te plaît. Oh bah c'est un échec. Alors, tu te lèves en faisant le mec bourré et là tu t'aperçois, oh putain la grappa c'est fort. Mais j'en ai pas pris. Putain, mais qu'est-ce que tu comprends pas quand je dis que j'en ai pas pris? Ah d'accord, pardon, excuse-moi, j'ai pas... Mais je pensais que t'en avais pris avec les autres. Bon, ah non, j'ai précisé plusieurs fois que je n'en prenais pas. D'accord, il n'y a pas de soucis. C'est un peu comme la mousse de saumon, quoi. T'as bu que de l'eau, mais putain, je sais pas ce qu'ils foutent dans l'eau. Mais en tout cas, voilà, t'as les jambes fusillées. D'ailleurs, tu te casses simplement, tu te casses la gueule. Oula, vache. Donc, du coup, ça va détourner l'attention. Tu passes vraiment pour un mec bourré. Voilà. Bah tiens, fais-moi avoir un petit test de sociabilité, tiens. Riche pas. Okay. Réussi sur 34. Ok. Du coup, les nobles te voient faire et ils éclatent de rire. Ouais, raison de plus pour que Seg. Voilà. Non. moi je reste sur mon 83 en force. Hein. D'accord. Donc, à toi, Kranich. Tu vois que le mec faisait mine d'aller te frapper avec sa bouteille et finalement il est pété de rire en se foutant de la gueule de Sepp. Ah, merci pour la diversion. Paf. Je te déteste. Vas-y. Ah, zut, ça touche pas. Ouh, c'est pas dit que ça passe, ça. Ouais. Tu comptes utiliser un point de fortune ou pas? Attends, ouais. J'ai dit... Est-ce que du coup... Bah non, j'ai dit que je lui
que le point il partait dans la gueule. Est-ce que du coup j'étais en full attaque? Je ne peux pas considérer que tu étais en full attaque, oui. Ouais, en brutal, ouais. Donc en brutal, ça large. Ah ouais, ça passe. Ça, ouais. Grave ton cas, t'as raison. Ah ouais, effectivement, plus 20, ça passe. Donc tu lui mets une patate, y a pas de souci. Vas-y, fais-lui tes dégâts. Je fais un D10, c'est ça? Un D10 moins 3 plus 3. 3, donc un D10. Ah oui, d'accord. Ouais. Pourvu que le dé explose. Ah oui, joli. Non, alors, c'est peut-être parce que Chrome t'a détourné ton attention ou quoi, tu sais pas trop, mais tu lui as caressé le menton en fait. Ton coup était bien, pété à peine. Ton coup. Ça va pas arranger notre affaire. C'est là que tu te dis que tu ferais bien de te muscler un peu quand même. Ouais. Pendant ce temps-là, le spadassin s'interpose et il te. Il essaye. À la dague. Il a attaqué à la dague. Hein, alors en fait, il a attaqué plus du pommeau de la dague, hein, mais il était loupé quoi. Ouais, donc en gros là, il est entre moi et le. Oh bon, ouais, ok. Donc ensuite, les deux nobles sont morts pétés de rire, à part celui qui vient de se prendre un coup de poing. Là, celle-là qui est un peu nette. Hein. Il te regarde juste d'un air méchant, mais il a l'air surpris que tu aies porté la main sur lui surtout. De quoi? Voilà. C'est bizarre. Très bizarre comme réaction. Une Kranich Queen. Ouais, c'est chelou. Bah, non, qu'il me regarde méchamment, hein, ça me changera rien. Ah, j'ai oublié Oname, pardon, en fait. Oname, hein, j'ai oublié d'agir. Bon, bah, j'endormirai pas Kranich. De toute façon, c'était pas mon objectif. Je vais tenter un sort de sommeil dans le dos de celui qui est distrait par Dontal. D'accord, vas-y. T'as le droit, ça? Alors, t'as pas des interdictions, des machins? Ah non, il a sorti une dague pour se mélanger au groupe alors qu'il cherche la merde. Moi, je cherche pas à comprendre. Off, le contact est fait. Joli. Le contact est fait. Le contact est fait. La canalisation passe. Ah, c'est la fosse, c'est tranquille alors. Oh, putain. Plus qu'à faire tomber une magie. Joli. Et la magie passe. Par contre, t'as pas fait un 10 là? En dé de magie, 10 et 3, ouais. Alors. Ça fait quoi, 10? Ça fait des choses à vivre, 10? Non, ça fait rien, 10. C'est seulement quand on utilise un seul dé et qu'on fait un 1 que ça fait des problèmes. Ouais, c'est ça. Et puis c'est quand tu fais des doubles, sinon. Mm. Et dans une autre magie, où quand tu fais 10, tu as quelque chose. Ok. Bah écoute, ton sort passe. Attends, je vais vérifier. Non, je considère qu'il tombe, le mec. Il récompense ton 1. Ok, donc le premier garde s'effondre endormi. Toi, t'as balancé un truc, tu l'as touché et tu l'as fait la prise de Monsieur Spock et il est tombé. Bam. T'as vu, Tlon? On me désolidarise du magicien. C'est un peu l'idée aussi, hein. De quoi, le magicien? Je me désolidarise du magicien. Je bicep et j'approuve ce message. Okay. Je trouve que le magicien réagit très bien, il utilise un truc non létal, genre taser, mais bah invisible, ouais. Et puis ouais, c'est très bien. Pourquoi moi, mes points, ils sont pas non létal. Du coup, Matrix, tu faisais quoi, toi? Bah moi, je m'attendais à ce que le noble qui prenait le point dans la figure s'écroule, donc j'allais le rattraper pour éviter qu'il s'écroule lamentablement par terre, mais apparemment, c'est pas le cas, donc je reste les bras tendus, interdits. Reste les bras tendus, et c'est le mec qui est derrière toi qui tombe, tu sais, tu le regardes, et puis t'as l'air un peu. Et je regarde derrière en faisant « Oups !» Mauvais timing, désolé. J'hésite à faire des applaudissements et pour faire croire que c'était, tu vois, un jeu et tout, et que la foule applaudisse, etc. Alors bon, bah, toujours est-il que qu'est-ce que tu fais du coup, Béatrix? T'as les bras tendus vers le mauvais mec, il est pas tombé. Je regarde Odaim l'air interdite quand même, parce que je lui dis, il s'est passé.
Ah bah tu l'as vu incanté, hein, clairement. Ah oui, ok, d'accord. Bon, donc je vois ce que c'est. Je vais essayer de calmer le jeu en disant haha, c'était très amusant. Ouais, elle va se sentir maintenant. Hein. Ok, donc tu m'as lucidé des trucs incompréhensibles en Ostermarkien. Bon, ouais, j'aurais exactement. Donné 50 XP pour ça. Alors. Court, inutile, mais court, c'est cool. J'aime bien. Donc, t'as un des nobles qui vous regarde un peu, enfin qui regarde son garde du corps interdit, la bouche bée comme ça, et l'autre qui essaye de répliquer sur Kranich. Voilà. Oh, qu'il essaye. Quand tu dis répliquer, ça veut dire quoi? Il essaye de frapper Kranich de sa dague, enfin de son revers de dague, a priori. 8 sur l'échelle de Richter. Voilà. Le noble il essaie de frapper Kranich du avec point, ses pardon, points. Non, pas son poing, avec sa bouteille, pardon, la boutanche. Il va essayer de lui fracasser la boutanche sur la tête. Le garde, par contre, va essayer de frapper avec le pommeau de sa dague. Parce qu'il n'a pas la place pour dégainer sa rapière. Et quant à l'autre, il ronfle. Voilà. Ensuite, Sepp et Oname, qu'est-ce que vous faites? Kranich, pardon. Merci. Attaque défense, en gros, je vais donner un pain dans la gueule de toujours du noble. Je m'en fous. Spadassin. Et puis, voilà. Alors, dans le spadassin ou dans le... Dans le noble, le noble. J'ai dans le noble, d'accord, ok. Tu essaies toujours d'assurer... Voilà, ok, d'accord, pas de souci. Ouais. Ok, ça me va. Et puis pour Oname et Sepp. Sepp, t'es au sol, hein. Ouais, je vais me relever et je pense que je vais aller vers le comptoir pour demander où est la porte de derrière. D'accord. Parce que je pense qu'il va falloir qu'on parte vite de la ville, en fait, là. La question est-ce que tu rampes vers le comptoir et tu te relèves, ou est-ce que tu te lèves et tu rampes, enfin, tu pars vers le comptoir? Non, je me lève et je pars vers le comptoir. Non, mais je voulais juste savoir si tu te levais ou si tu y allais. Non, je rampe pas. Non, je vais me faire marcher dessus. Ok. Oname, qu'est-ce que tu fais? Sors de sommeil sur le second spadassin. Alors, le second spadassin, tu vas avoir un peu plus de mal à le choper parce qu'il est un peu de l'autre côté. Mais tu peux endormir le noble sinon, ou ce que tu veux. Ou alors tu montes sur la table, mais dans ce cas-là tu pourras pas focaliser. Ah, je gueule un grand coup, ça suffit. Okay. En me rapprochant du spadassin. D'accord. Je pars la table ou tu fais le tour? Ouais, je vais faire le tour. On va laisser. Notre ami a donné quelques pains avant de les arrêter. Et Dental, qu'est-ce que tu fais? J'hésite. Dental. Soit je prends un fruit qui traîne sur la table et je le balance sur le deuxième spadassin, soit je fais fouille les poches du premier. Ah, pas con! Pas con du tout! J'ai mal! Dental, t'es un génie! Non, mais, Attends, on va être banni de la vie, quoi! Et cette fois, ça sera mérité, hein. Putain. Mais je pense que je vais prendre un fruit quelconque et je vais essayer de viser le spadassin qui fait chez Kranich. D'accord, bah ouais. Bon, tu peux y aller. Alors, ça, c'est j'ai envie de dire, tu dénonces un peu quand tu utilises cette arme, hein, mais bon, je dis rien. Alors, c'est à moins 20, tu peux y aller. C'est un tir de CT, c'est ça? Oui. Bah, t'as le droit de viser, non? Ça va. Alors, je vais considérer qu'il se la prend pleine poire, hein, parce que comme tu balances une poire, c'est illégitime. Voilà. Fais tes dés de dégâts. Je suis pas sûr qu'il y ait un dé de dégâts. Moi, je sais pas s'il y en a, mais voilà. Tu fais un D10 moins 4, s'il te plaît. Ok, donc tu fais un point de dégâts. Hein. Voilà. Non, mais tu fais quand même un point de dégâts, quoi. Par contre. Oui. Est-ce que t'as coup l'assommant ou pas en fait? Non. D'accord, ok. Bon, moi j'ai rien du tout. Moi. J'aurais pu. Hein. J'ai tiré en puissance cependant. Ah, ouais, tu fais 2 points de dégâts.
Par contre, du coup, ça l'a un peu surpris, ça l'a arrêté net. Hein. J'ai quand même pris une poire en pleine poire. Hein. donc tu l'as interrompu. Sep, tu te relèves et tu t'en vas, il n'y a pas de souci. Tu commences à te déplacer une demi-action pour aller vers le comptoir, ça va. Donc en fait, au round prochain, tu pourras y être. Oname, tu te dis, ça suffit, maintenant tu commences à faire le tour, il n'y a pas de souci. Au round suivant, tu arriveras au contact du spadassin qui vient de se bouffer une poire. Kranich, bah, il n'y a personne pour t'arrêter, vas-y. Bourpi. Paf, touché. Bon. Allez, c'est tes dégâts. Comment ? T'as quoi, comment ? Oui, j'ai quoi, comment ? Ah, alors donc tu fais pas de dégâts, mais tu peux faire un test. C'est quoi ? C'est force contre endurance, je me souviens. Hein, j'ai oublié. Oh, je sais pas, bon, j'ai oublié aussi. Ouais, mais attends, c'est pas grave, on va vérifier ça tout de suite. Moi, habituellement, j'ai l'albarde et puis j'écrase des têtes. Et justement, le coup assommant, ça ne fait pas de dégâts de souvenir, mais ça fout ton adversaire au sol. Allez, vas-y, fais ton test de force. Même Kranich a un sort de sommeil. Il a réussi. J'ai réussi. D'accord, ok. Attends, t'as réussi 7, t'as réussi. Test opposé pour assommer son adversaire. Voilà. Oh. Bon. De toute façon, avec le malus que je lui ai mis, parce qu'il est étant donné qu'il s'est pris un coup dans la poire hier qu'il voit déjà des étoiles, bah ouais. Poum. Non, moi j'ai tapé le noble. Ah oui, pardon, c'était le noble. Ah bah il a loupé son jet, alors change pas. Ah bah le noble il est par terre. Boum. On l'étale. Nous on l'étale. Oui, non mais il est par terre. Il est pas tué, il est par terre. Il est assommé. Voilà. Ah ouais, moi j'aurais pas visé le noble hein, directement, hein, parce que c'est un petit peu un peu dangereux quand même. Et je me tourne vers le deuxième. De toute façon, c'est pas grave, mais... C'est pour ça que je prépare une sortie de secours, parce que là... Bah, tu te tournes vers le second, ok, d'accord. Ensuite, Je me tourne vers le second pour... Oh, je voulais juste rajouter une petite phrase. Ah bah, vas-y. T'en veux une aussi ? Je vais appeler sa maman, c'est tout ce que tu vas voir. Hein. Merci pour ce moment théâtral. D'ailleurs, écoute, pour une fois qu'il veut faire du, pour une fois qu'il veut faire du RP, moi je ne crache pas dessus. Hein. Ok, bon. Ah, Béatrix, du coup. Bah du coup, je vais gueuler aussi ouais, comme Onaim que ça suffit, stop. Bah oui, il y en a au sol. On arrête les conneries. Ah, c'était ça que t'avais prévu? Il y en a deux au non, sol. Je baragouine un truc et quand je vois Onaim. Ah oui, bah c'est ça, oui, tu baragouines un Oster machin. Oui. Ok. Bah écoute, tu me fais ton test d'intimidation, s'il te plaît, Kranich. C'est social, c'est ça, pur. Hein, t'as pas intimidation? Ah non, c'est force. Intimidation, c'est force. T'as un petit bonus parce que t'es aidé par le fait que en plus Onaim rugit de la même façon et que ils sont quand même plus très nombreux. Ah, 52 échecs. Non, j'ai c'est 31. Pas un échec. Non, ça va passer. Okay. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va pas passer la nuit ici en fait. Mais pourquoi tu crois que Donc, finalement, le noble dit « Non, mais c'était pourri, hein, vous savez, on a été un peu loin, désolé. » Un petit peu. Je précise, rassurez-vous, votre garde n'est pas mort, il est juste endormi. Alors, il te regarde comme ça. Tu montres quelque chose ou pas du tout ? Je lui montre ma patente. D'accord, tu vois qui me l'a mis. Non, vous inquiétez pas, monsieur le mage. Promis, on le fera plus. Hein. C'était. Vous savez, quand les mots dépassent la pensée. Oui, et que la boisson a bien fait son chemin, pas de problème. Ramassez vos amis et quittez l'auberge. Disparaissez. Attends. Moi, je leur offre une bouteille du truc. Hein. Je paye la bouteille au comptoir, histoire que quand même, ils ne repartent pas à bredouille, quoi. Bon. Ah, mais merci. Il a donné un chef à 80 pièces d'or, on n'y pense jamais ou pas? Pardon? Non, il a rien dit. La tenue de l'elfe qui a été éclaboussée par...
par le mauvais goût du noblio, il va pas me la rembourser. Hein? Moi je vous serais pas de la forêt, hein. Ouais, bah t'es quitte pour une lessive, allez filer. Merci, merci. On recommencera plus, promis. Hein. Alors ils repartent bien. Un peu. On espère bien. Ils vont revenir avec des renforts. Hein. Je pense qu'on va être adopté par la clientèle de l'auberge là. Alors, y a deux, comme il dit, il y a deux possibilités. Soit ils reviennent avec des renforts, soit ils reviendront plus jamais. Mais... Je pense qu'ils reviendront plus jamais. Bah, les deux sont possibles, hein, complètement. Ils ont peur des mages déjà, donc. Non, ils ont pas peur des mages, ils ont peur des conséquences d'emmerder un mage. Et surtout d'emmerder un garde du corps. Mais bon. Non. Ça, c'est parce qu'ils sont, plus nombreux. Mais dès qu'ils sont nombreux, t'inquiète pas, ils auront pas peur. Ah, bon, bah, du coup, vous voyez que ça s'anime un petit peu quand les deux nobles repartent. Et bah, tout le monde se met à rire, en fait, et à applaudir. Et le patron sort tout sourire. Je m'incline. Une bouteille à la main. Eh, hey, c'est la cuvée spéciale du patron. Cadeau de l'avant. Vous avez de l'eau de vie de poire. Ah, vous m'en direz des nouvelles, c'est pas comme la, c'est pas comme celle que je vous ai fait goûter juste avant. Hein. Ça, c'était celle pour les touristes. Hein. Ça, c'est la bonne. Bon, je vais me poser et je vais me servir un petit verre. Eh ben, on va goûter ça. Pareil, je vais la goûter aussi, pour le coup. Je vais faire comme tout le monde. Alors, elle est meilleure. Alors, déjà, Claude était bonne, mais celle-là est meilleure. Et en plus, par contre, elle est un poil plus forte aussi. Hein. C'est bon, pour ça qu'elle est meilleure. Alors, juste un petit AFK, 5 minutes. Okay. Donc, okay. Il va quand même vous présenter la note pour le repas. Mm. Ah, ça vous a coûté une couronne par personne, mais par contre, vous êtes régalé. Quoi. Ok. Et donc, il dit par contre que le bain vous est offert. Ah. C'est gentil. La lessive aussi. Alors oui, généralement c'est compris avec. Hein. Je m'attendais quand même à la. Alors attends que je note ça. Il est où la page? Ah mais voilà. Donc ça fait 5 couronnes au total. Bon. Alors du coup, vous êtes plutôt bien. Vous êtes bien. Ah oh, je suis bien. Ah oh, je bouge plus. Ah oh, je suis bien. Ah bah justement. C'est ça le patron. Ah, c'est le gars qui est au comptoir. Hein. on va peut-être en mettre un dehors histoire qu'il surveille la rue quand les autres prennent le bain et puis on échange quand ils ont fini, non enfin... Ah bah attends, ça n'est pas ça encore. Là, en pas fait, déconnant, hein, déconnant. Ouais. Donc bah en fait c'est marrant parce qu'en fait les gens vous sourient, il y en a même 2-3 qui viennent vous taper sur l'épaule en vous remerciant. Enfin voilà, c'est. Tu m'étonnes, on a humilié les nobles. Ah, c'était priceless, enfin, quoi. On était que deux à les humilier, hein. N'est-ce pas, Kranich, frère chasseur de nobles. Moi, je m'en vanterai pas. Hein. Mais bon, tu fais ce que tu veux. C'était beau. Je suis désolé, mais le coup de la poire était quand même joli. Mais voilà. Ah oui, c'est vrai. Le coup de la poire en pleine poire, ouais, c'était bien vu. Je peux pas dire que je cautionne, mais j'ai apprécié en tout cas. Alors, tac 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 tac. Et parmi tous les gens qui se présentent à vous, il y en a un qui ressemble à ça. Hey, je suis Luigi, Luigi Belladonna. Hey, j'ai un petit commerce ici. Est-ce qu'il fait une pizza au caviar? Non. J'ai une petite mission pour vous, si vous l'acceptez. Ah, une mission dont des gens, enfin, que des gens débrouillards pourront mener à bien. Des usuriers. Moi j'appelle ça un parrain de la mafia, mais bon. Ça serait trop évident. Ouais. Puis bon, c'est une campagne récente qui est pas forcément très évidente, je suppose, c'est ça. Donc, voilà. Quelqu'un qui me doit. J'ai quelqu'un de délicatesse, il m'a pas payé.
Moi, je regarde la colline de... Enfin, la prêtresse de Verena, surtout. Moi, je sais pas si j'ai le bouclier avec moi, mais sinon, je lui montre clairement le bouclier et le symbole dessus, quoi. Ah, mais justement, ça gage d'honnêteté. Ouais, il veut qu'on fasse les... comment dire, les... Le recouvreur. Le gros bras. Ouais, exactement. Le recouvreur de dettes, ouais. Ça. Il y a un tout petit peu d'argent à se faire. Ouais, mais on n'a pas le temps, parce que justement, on est sur autre chose. Nous sommes sur une chasse aux démons. Hein. Hey, avec vous, j'ai juste... j'ai mal à la gorge, là. Putain. Après, il y a peut-être moyen de se faire un allié, hein, en tant que joueur. Eh, hey, du coup, alors, il te regarde comme ça. Si jamais, avec une réputation pareille, il paiera tout de suite. Je laisse les autres décider, je vais aux toilettes, ça urge. Pourquoi c'est un noble ? Alors, je vous le décris quand même. Hein. Ouais. Il a des vêtements qui sont faits en soie et en laine d'excellente qualité. Il a une chevelure toute gominée. Il a des doigts boudinés et roses qui sont décorés de bagues en or et avec des diamants. Voilà. Mm-hmm. Ouais, c'est bien l'image que j'en faisais. Hein. Clairement. Je sais pas, moi je regarde les autres, mais je dis clairement au monsieur que c'est très gentil, mais on n'est absolument pas intéressé. On lui dit, on a déjà des autres obligations actuellement à honorer, donc on peut pas honorer les siennes, malheureusement. Mais qu'on apprécie l'offre. Pour une heure de travail, je paye 20 couronnes chacun. Alors, mon côté greedy, j'ai envie de dire direct, ok, bon coup, mais... c'est mon côté greedy, hein, de jouer. C'est clairement... Faut aller chercher, parce que... Monsieur... Mais si, le MJ a préparé ça avec amour. Justement, it's a trap. Bah, je pense que c'est trop évident pour être un piège, tu vois. Bon, je suis très dédaigneuse hein, sur sa proposition. Non, ouais, bah, je reste sur ce que j'ai dit, hein, savoir qu'on a d'autres engagements et que bah. En gros, je décline poliment, personnellement, c'est ce que je fais. Oh non, non, sinon je le regarde en disant « Non, merci, ça ne vous intéresse pas. » Par contre, vous ai-je déjà parlé de ma déesse, Verena? Putain, j'ai mal. Ah, t'as mal où? Un peu partout, là. Oui, surtout que j'ai fait mes dévotions à Verena. J'ai fait mes dévotions à Verena elle-même. Eh ben c'est bien, les dévotions c'est pas mal, mais il faut vous engager encore plus. Non mais elle-même. Oui, enfin elle-même. Son temple, enfin, il est allé au temple. Voilà. Alors elle-même, sans dire il l'a rencontrée. Bah, moi aussi, peut-être hein, moyen de te faire pistonner. Bah, tu t'en vantes pas parce que tu t'es fait engueuler par ta Craniche. Oui. Alors techniquement Craniche. Craniche. Est-ce que tu accepterais un boulot d'une heure pour 20 pièces d'or et on le fait tous les deux? Parce que les autres sont pas motivés. Donc, Raconte-moi c'est quoi ce boulot. Bon, c'est aller voir un gars et qu'il paye. Il s'agit juste d'aller récupérer une marchandise que j'ai payée mais qui ne m'a pas revenu. Ah, c'est un service après-vente en fait. Ouais. Bah pourquoi pas hein. Moi je pense que ça peut payer en termes de jeu, mais mon personnage je pense qu'il serait pas chaud en fait, clairement. Ouais, surtout avec la glace et tout. T'étais là Onaïm quand on t'a proposé d'aller jouer les gros bras pour 20 couronnes? Ah, je suis pas chaud. A priori, l'elfe est en train de convaincre Kranich d'y aller. Ah bah moi, je laisse faire. Hein. Ah bah oui. Pourquoi pas. Bah oui, je pense qu'il y a moyen. Sinon, tu vois. Je pense que je les accompagnerai parce que je veux rester à côté de mon garde du corps. Kranich y va, je l'accompagne. Bon. Donc finalement, vous y allez à mais pourquoi lui, il a de la solidarité et pas moi, tu vois? Ah, c'est parce que j'ai de la... Attends, parce que j'ai des... Alors, parce que tu aurais pas été tout seul, en fait. Mais si vous alliez à deux, j'y vais. Mais je pense qu'en fait, que si les gens me soutiennent, tout simplement parce que j'ai des réponses percutantes. Moi, je l'aurais dit parce que c'est pour t'éviter de faire des conneries. Et du coup, qu'est-ce que fait la prêtresse de Verena quand elle voit que ses quatre camarades décident finalement d'y aller? Et merde. Pas mieux, je pense. Hein. Ouais, bon, bah...
Allons-y, allez. Alonso. C'était moi qui la faisais d'habitude, celle-là. Ouais, mais justement, je ne t'ai pas laissé la faire. Alors, allez, moi je serai au Chameloman. Venez me retrouver quand vous avez fini. Et alors, par contre, il vous donne l'adresse d'un gars. Alors, c'est a priori, c'est en bas, de l'autre côté de la ville, en bas. Voilà. Une fois qu'il est parti, j'ai bien envie d'aller voir le patron du bar avant qu'on aille faire le truc et lui demander c'est qui exactement. Que je pense que le patron il doit savoir. Pas bête. Je parle de Luigi Belladonna. Hein. Oui, j'ai bien compris. Tu veux t'adresser au patron? Ouais, discrètement au patron. D'accord, bah écoute, tu essayes de lui tirer les verres du nez, comment tu lui poses la question? Bah de toute façon, le patron il a vu toute la scène, je suppose. Oui, je te demande juste comment tu abordes la question, quoi. Bah je lui demande... Avec une couronne? Non, bah je lui pose... En gros, je lui demande, en termes d'employeur, est-ce qu'il est correct en fait, je joue un peu le candide. C'est le côté candide, voir si... D'accord. Tu me fais un test de socialité, s'il te plaît. Ah, il a eu un. J'ai bien envie de relancer, mais je vais pas relancer. Genre 36. Alors, attends, parce que... moi, j'avais plus de... Tiens, voilà. Ouais. Alors, il te regarde... Ouais, c'est le G Baladon, on n'en parle pas. Ouais, bah ça, c'est bien ce que je me doutais. Cependant, il peut peut-être nous lâcher des infos sur les mains sales. Ouais, mais c'est... Qui ça, pas le patron, tu parles de Luigi? Luigi, ouais. Ah ouais, oui, peut-être. Alors, juste rafraîchis-moi la mémoire, monsieur l'écureuil, c'est bien les Tilea, je sais plus si... C'est eux, quoi. C'est la même espèce qu'on avait aidé dans les égouts à nul, je sais plus à chaque fois. Ah non, c'est ceux que vous avez défoncés plutôt. Ah oui, ouais, on va pas lui en parler. On va pas lui dire que nul. Vous, ce que vous avez aidé, c'était les Widermans, hein, qui étaient de Marienburg. Donc vous acceptez l'offre? On y va. Façon, on l'a ouais. Accepté, maintenant on est obligé d'y aller au bout. Hein. D'accord, bon, bah déjà ça va vous coûter 4 pistoles par personne de déplacement si vous faites la mission. Ouais, je vous le dis franco. Hein. Et pourquoi 4, c'est plus cher de nuit? Non, il va falloir monter une fois et il va falloir descendre et remonter. Ah oui. Bon, je vais le retirer tout de suite. Bon, ça, décap, ouais. Alors, en commun. Ascenseur, donc 10, donc on passe de 10 à 30 hein, dans l'ascenseur. Oh. J'aimerais dire, j'ai bien envie de provisionner 10 de plus, parce qu'on va finir par redescendre un jour ou l'autre, mais je le vois à ce moment-là. Alors, bon, c'est pas comme si ils m'ont manqué d'argent. Donc ils vous envoient en fait les R Messer, M-E-2-S-E-R. Il nous a pas dit combien il lui devait. Non, c'est une marchandise. Et je suis pas sûr qu'il ait précisé la marchandise, par contre. Non. Mais il nous a prévu qui? Il nous a dit qui, on doit aller voir, quand même. C'est oui, ça. Une adresse. Il vous a donné une adresse. Et Hermesseur. Ok, ça vous empêche pas, vous pouvez vous renseigner, hein. Bon, bonjour. Moi, j'avoue que je préfère expédier, donc faites ce que vous voulez. Ok. Alors, vous essayez de trouver l'adresse, ça vous coûtera un petit test de commérage. Moi, je pense que c'est du fromage qu'il veut qu'on récupère. Parce que... Heure des sœurs, si j'en ai pas, je fais un malheur. Ah, putain. je sais que c'était trop pourri, mais ça pouvait pas être ça, quoi. Si. Ah, si. Si. Carrément. Raté aussi. 56 et j'ai fait combien? C'est quoi le jet? Complètement raté. Commérage. Un test de commérage. Oula, alors donc. Oh! Donc en fait, vous descendez, vous prenez le machin, vous commencez à tourner, on vous indique des trucs, on vous indique non, c'est de l'autre côté, machin. Finalement, ça vous fait perdre une bonne heure. Ça vous énerve. Mais finalement. Ah non, non. Attends, non, je l'ai loupé. Ouais. ce suspense. Donc vous tournez et virez pendant un moment et puis t'as la garde qui débarque. Patrouille de nuit. Et qu'est-ce que vous faites là? On est paumé. Une adresse. Non, on est paumé.
Dis pas qu'on cherche une adresse, s'il te plaît. Dis pas qu'elle reste. Et on cherche une adresse, c'est si. Ouais. Échappé. Hein. Hop. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ici de nuit, là? Bah, on cherche une auberge. On est venu dépenser nos Dutch marks. Ouais, bon. Ça a l'air un peu suspect, là, tous. Ah, il me regarde, vous seriez pas recherché par hasard? C'est l'albarde qui vous fait dire ça? C'est le fait que vous ressembliez pas vraiment à des gens du cru, mais plutôt à des mecs qui traînent les routes. Ah ouais. Alors, mais non, sergent, je crois pas que tu sois recherché, ceux-là. Béatrix, les lendemains de cuite, elle est pas mal, hein. Elle est du cru. Elle ressemble à n'importe quel cru. Alors, il se tourne vers vous comme ça, et vous êtes sûr que vous avez rien à vous reprocher? Non. Alors, ils vous regardent tous comme ça, et puis ils voient tout à coup ton symbole de Vérénar. Oh, pardon, madame, désolé. Mais je vous en prie, braves gens, vous faites votre métier, vous le faites bien. Il est bon de savoir que la garde contrôle et veille sur le sommeil des gens qui dorment dans cette ville. D'accord, bon. Et vous disiez donc que vous alliez à une adresse? Oui. Tout à fait. Quelle adresse déjà? Vous lui donnez l'adresse? Pas l'adresse exacte, la rue. D'accord. Ah bah, y a pas de souci, on va vous exhorter. Bah voilà. Les rues sont pas sûres en ce moment. À qui le dites-vous? Et donc, il vous emmène jusque à la rue. Je reste juste très bien une connerie, mais je vais éviter. Oh. C'est très bizarre. Donc, il vous accompagne comme ça. Donc, vous êtes tous les cinq, et vous êtes accompagnés de cinq gars. C'est sûr qu'on doit pas être emmerdé. Hein. Et vous cherchez qui, là, en fait? comment moi, c'est Poker Face, mon nom, tu vois. C'est... Je ne dis rien. Non, parce que là, bon, on est dans le quartier des Joailliers. Ah ouais. Enfin, dans la rue des Joailliers, donc... Ah, et dites-moi, la rue des Joailliers, ils font pas de la... Il y a pas de la vitrine aussi? Bon, après, il fait nuit, là, mais bon... Essaye de les saouler avec ton discours. Ah, mais complètement, je commence à embrayer sur un discours d'artisan. Hein. D'accord, non, mais attendez, on va vous aider. On va quand même pas vous laisser ici, c'est un coup à se faire agresser. C'est quoi, non, alors? J'ai envie de donner un coup de coude à Vérena pour lui dire de les faire partir, qu'on n'a pas besoin de qu'ils sont encombrants, là. Non, parce que bon... Et si tu veux les faire partir... Tiens, il y a encore de la lumière chez mes sœurs. Tiens, on va aller voir ce qui se passe. Tout à fait. Tiens, bonne idée. Donc, tu vois, effectivement, il y a une des maisons dans la rue qui est éclairée. Marquée maison mes sœurs. N'est-ce pas un cercle d'invocation de démons que je vois là-bas au loin? Blague elfe. J'ai difficile à comprendre. T'as le sergent qui s'approche de la porte comme ça et puis il frappe. Alors t'as un petit œilleton qui s'ouvre comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah alors mes sœurs, il y a encore de la lumière chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il nous attend. Je vais le dire, hein, parce que maintenant, sinon... Ah bah voilà, bah, fallait le dire. On a trouvé vos visiteurs. Mais ça, c'est... Il y a des nonnes? Non. Aussi, il dit mes sœurs. Et du coup, est-ce que c'est le frère de mes sœurs? Je t'ai vu venir, moi. J'ai pas voulu que... Voilà, quoi. Alors donc, t'as mes sœurs qui m'ont fouillé. Oui, j'attendais ces gens. C'est pour ça que j'étais resté tard la nuit. Ce sont des bons clients, vous savez. Ah bah, ils ont eu de la chance de nous trouver, alors. Complètement sûr. Hein. Soyez-en fortement remerciés, brave garde. Moi, je dis, tu devrais leur donner une pistole ou quelque chose pour les remercier, hein, Vérena. Bah ouais, tiens, j'en remets une pistole chacun. Ah ok, bah ça te coûte 5 pistoles. Oh bah, merci, madame. Mais je vous en prie. Toujours un plaisir de vous aider. Vous avez besoin qu'on vous raccompagne après? Non, ça va aller. Non, je pense que ça ira, y a pas de soucis. Ouais. De toute façon, et du coup, Vérena, elle gronde les forces de police. Chut.
Moi, j'avoue que j'ai fait mon diable. Alors, mes sœurs qui vous ouvrent, alors donc c'est un petit bonhomme avec des lunettes, il a pas l'air très impressionnant. Entrez. C'était pas la peine de faire venir la garde. J'ai compris le message. Certes, mais ils sont. Non, dis rien. C'est bien ça, ça lui fout un gros coup de pression, on a rien à faire. bon. Et donc il se tourne comme ça, il va dans un bureau comme ça, restez là. Il n'y a rien à piquer, hein, clairement. Alors moi j'écoute ce qu'il fait, hein, parce que j'ai peur qu'il se casse en fait le gars. Ouais, on va le suivre des oreilles et des yeux aussi hein, en fait. Bon, en fait il est rentré dans un bureau, il a fermé la porte, mais bon il... La dernière fois qu'un mec a fait ça, il a mal fini hein, quand même. Non mais à mon avis, il va ouvrir un coffre simplement. Mais je pense qu'il y a besoin de rien faire parce que là, je pense que le coup des gardes. Ça a oui, mais la dernière fois aussi, le gars, on s'est dit qu'il y avait besoin de rien faire. Et bah, il a fini, il était quand même mort dans son. J'essaie de regarder s'il y a des fenêtres. Alors toutes les fenêtres sont des barreaux. Les fenêtres de son bureau. Non, il y a pas de son bureau. Il donne sur rien. Il est à l'intérieur de la maison et il donne sur aucun mur extérieur. Méthode, c'est le quartier des joailliers. Toutes les fenêtres ont des barreaux. La porte est solide, mais par contre il n'a pas verrouillé. Mais il ressort assez vite et il y a une petite cassette comme ça. Bon, je vous dirais, monsieur, il y a Luigi que j'ai pas fait d'histoire. Hein, voilà. Oh non, pas de soucis, on lui dira. Non, il n'y a pas de soucis, Il n'y a pas besoin de le dire avec de la garde. Merci de votre opération, citoyen. Excusez-moi, en tant que maître joaillier, vous y connaissez-vous en joaillerie magique? Ah, il te regarde, pas spécialement, non. Non, bon, tant pis, je vous remercie. Dommage. Ah, il te regarde un peu l'air écarquillé, il a l'air complètement surpris et désarçonné par la question, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bah... ça lui met un coup de pression encore pire. Bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée, rentrez bien, soyez prudent, hein. Merci. Vous aussi. Dormez bien, j'ai... J'ai payé, moi. Ah, d'ailleurs, il vous fait signer un registre, en fait. Alors, c'est un petit livre, tout petit livre. Alors, par contre, tout est écrit avec des écritures un peu bizarres, mais... Je dis que c'est la prêtresse de Verena, en gage de bonne volonté, enfin, qui devrait signer. Moi, de bonne foi. Qui fait un X, tu vois, ça aurait été mieux. Mais bon... Je pense que ça va être un X. Hein, le petit coffre, on peut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, il est fermé. Hein. Moi, j'ai pas envie. Moi non plus. J'ai pas envie. Enfin, en tant que joueur, j'ai envie. Et en tant que joueur perso, j'ai pas envie. On sait jamais, ça pourrait être une gemme du chaos. Hein. Ouais. Il ressemble pas au coffre, Adolphe. Ça pourrait être bizarre. Écoute, maintenant que t'en parles. Non, en fait. Donc, vous repartez, vous retrouvez, enfin, vous perdez encore un peu, vous retrouvez votre chemin, vous arrivez jusqu'au mont de charge. Les mecs râlent parce que ils sont obligés de bosser la nuit, mais enfin bon, a priori. Et si on bosse la nuit, est-ce qu'on... oui, on est des joueurs, on râle tout le temps. Et donc, vous retournez, où ça? Bah, à l'auberge... L'adresse qu'il nous a donnée. C'est-à-dire? Il nous a donné une auberge, une autre auberge que la nôtre. Alors... Le chat... Ah, je l'ai pas noté, le chat... Allez, vas-y, fais-moi un test d'intelligence. Allez, c'est parti. Le chat perché. Ça ne passe pas. Ouais, non, allez. C'était le chat mélomane. En foutait, c'était juste pour vous foutre un coup de pression. Bon, c'est pas grave, on partait avec le coffre, on était bien. Hein. Je pense. Si on demandait le chat pétomane, on aurait forcément fait le lien, mais bon. Une auberge avec chat dedans. Alors, par contre, vous me faites juste un test de perception, s'il vous plaît. J'ai envie de dire, chat doit pas courir. Ça passe. Ok. Tu t'aperçois que derrière vous, il y a des mecs que t'as déjà vu en fait. Ça passe. Vous apercevez qu'il y a des mecs, il y a deux mecs que vous avez déjà vu en fait, qui sont derrière vous. En fait, à bien y regarder,
C'est déjà la deuxième fois que vous les croisez. En fait. Des espadassins ? Ouais, ça ressemble plutôt à des gros bras. Ils restent à distance respectueuse. Hein. Ils sont. Et des poires. Les mecs sont plutôt discrets, mais là ils sont. Enfin, c'est comme si c'était. Ils s'étaient laissés voir en fait. C'est pour ça que vous repérez en fait, et en fait vous vous apercevez que bah, vous les avez déjà vus. Ils étaient là en fait quand vous êtes sortis de la taverne. Vous attendez dehors. Ça doit être les veilleurs de Luigi. Non, ça, pas forcément. Mais dans tous les cas, on les garde du coin de l'œil, quoi. Mm-hmm. Donc vous rentrez dans une petite auberge qui s'appelle le Chat Méloman. Donc effectivement, il y a deux artistes qui sont en train de se produire sur scène. Donc un duo lyre et violon. C'est plutôt sympa. La clientèle a l'air plutôt cossue. Mais vous voyez, Luigi. C'est des cours d'échange de lecture alors. Luigi. Bah, on va au comptoir de le demander en fait, si ouais. Luigi est là, ça doit lui appartenir. Si on a un paquet pour Luigi, hein, tu demandes pas directement où est Luigi. Oui, non, mais je sais, mais. Monsieur Belladonna, vous êtes temps. Et hop, il vous ouvre une porte. Il vous conduit, alors donc c'est un couloir avec plusieurs portes, comme ça il y a 6 portes. Donc il y en a 2 de chaque côté et une à chaque bout du couloir. Et il vous ouvre la première porte sur votre droite. C'est un petit salon qui est tout lambrisé. On dirait un truc, c'est mi-salon, mi-bureau. Il y a de la marqueterie partout. Il y a des cartes. Mais des cartes plutôt anciennes et plutôt riches, tu vois, qui sont sur tissu. Hein, qui sont accrochées au mur, pendant des cadres et derrière des vitres. Et il y en a 2. Il y en a une qui représente l'Empire et une qui représente quelque chose. Enfin, une carte que vous avez jamais vue. Vous pouvez me faire un test d'intelligence si vous voulez. C'était quoi ça? Un test d'intelligence. Ça fait combien, Nathel? Moi j'ai 40 et j'ai fait 40. Oh, je suis complètement raté. 88, c'était ton test d'intelligence, ça, Name? Ouais. C'était pas l'ancien, ça? Non, l'ancien, c'était 94. Non. Ah oui, 94, il est loin, oui, pardon. Ouais. Ok. Bon, Active l'eurodatage hein, pour éviter ça, sinon. Ouais, mais en fait, je me souviens plus comment on fait. Afficher le temps, voilà, c'est bon. Clic droit, activer, le... voilà. Mais ça marche pas, mais ça marchera après, ok, d'accord. Oui, c'est ça. Ça s'active à partir du moment où tu... Donc, Kranich, tu reconnais pas. Béatrix, tu ne reconnais pas. Dental, aucune idée. Sep, en fait, ça a l'air d'être une carte du monde. Et il est plat? Ou il est rond? Eh ben, a priori, elle est plate. Hein. Théorie fumeuse, ouais. En tout cas, la carte montre le monde à plat. La plat, 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 plat. Ah, t'as regardé, toi, le dernier Defecator. Voilà. Bah, c'est la première fois que tu vois une carte du monde. Hein. Bah, c'est grand, en fait. Ah oui, parce qu'en fait, quand tu regardes, tu essaies de localiser l'Empire, et tu arrives à le trouver, finalement, et tu aperçois que c'est pas très grand, en fait. Bah, c'est surtout que c'est pas au centre. On m'aurait menti. Venerena m'aurait menti. On sait, sur Vérana, t'as jamais dit que c'était au centre? Alors, c'est la carte du monde, mais t'as quand même qu'un seul continent hein, qui est indiqué. Hein. Oui, bah... Il n'y a pas de carte du pays Elfi. Voilà. Manquerait plus que ça. Ça n'existe pas, le pays Elfi. Voilà. Du coup, encore le pays imaginaire. Non, mais oh... Et donc, assis en train de siroter... donc, il y a une espèce de petit bar qui est ouvert, et assis en train de siroter... une espèce de c'est quoi, c'est un verre à cognac en fait. Luigi Belladonna avec son costume en soi. Attendons de savoir ce que vous faites. On va lui remettre le coffre. D'accord. Vous lui remettez le coffre? C'est l'idée. Ok, donc il prend le coffre, comme ça. Il prend une clé qui était à son cou. Mm-hmm. Il ouvre le coffre et il regarde dedans. Et il referme avec l'air satisfait. On voit pas ce qu'il y a dedans, nous. Non. Enfin, sauf si tu veux le regarder. Zéro pierre, zéro container. ça m'intéresserait de jeter un coup d'œil, quand même.
Bah, tu peux essayer. Tu me fais un petit test d'agilité ? Ouais, moi aussi, hein. Moi aussi, je veux regarder. Alors, je veux pas l'autoriser à plus de deux personnes. Eh ben, c'est réussi de 14. C'est réussi de 14 ? Et l'elfe ? C'est raté. C'est raté, cependant... Ouais, c'est raté. Okay. C'est raté de 11. Alors, Béatrix, t'arrives à apercevoir des pierres précieuses, en fait. T'as pas le temps de voir vraiment ce que c'était, mais ça brille, en tout cas, à l'intérieur. C'est des pierres précieuses en vrac, en fait. Ok. Bon. Ça ressemble pas à une gemme du chaos. Non. Bon. Ça ressemble plutôt à des petites pierres faciles à écouler. Bien, bien, bien. Alors, il se tourne, comme ça, et derrière, il y a, dans le bar, en fait, il prend un autre coffret. Un peu plus gros, et il le met devant lui, il l'ouvre, et à l'intérieur il y a 5 et il vous les balance à chacun. Ouais, je compte. Il y a 20 pièces, il y a 20 couronnes à l'intérieur. Ouais, voilà. Je déduis directement les deux couronnes pour le collège. Non, je suis satisfait. Bah, techniquement, faudrait que Béatrix fasse la même hein, pour son culte, mais bon, elle y pense jamais. Pas grave, il y a quelqu'un qui y pense pour elle. Je me dois de vous prévenir, il y avait deux gros bras qui nous suivaient lors de cette opération. Peut-être est-ce des gens, mais peut-être est-ce des gens à vous. Évidemment. Bien. Vous croyez quand même pas que j'allais vous laisser transporter des pierres précieuses sans vous adjoindre une surveillance. Ouais, je vais prendre un accent typiquement ostorbarquin pour dire « Ah bah dis donc, la confiance règne !» Je suis surpris que vous ne l'ayez pas dit. Je sais pas si je te laisse finir ta phrase, en fait. Je suis surpris que vous ne les ayez pas directement envoyés, mais bon, vous devez avoir vos raisons. Sur ce, bonne soirée, monsieur Belladonna. Oh, mais la raison est très simple. Les derniers gros bras que j'ai envoyés ont fini à l'eau. Ah. Allô. Mais je vois que vous n'avez pas eu ce souci. Non. Comment avez-vous fait? Eh bien, on a pris le bac. Un vrai magicien ne révèle pas ses talents. Bah, de toute façon, j'aime beaucoup cette réponse. De toute façon, les gros bras nous ont suivis, ont tout vu, hein, donc on peut lui dire. Nous nous étions perdus et une patrouille s'est proposée de nous accompagner. Cela a fortement impressionné votre camarade. Ah, toi qui rit à gorge déployée, quoi. Excellent, la prochaine fois j'y penserai. Eh bien écoutez, si vous avez besoin de moi, je suis ici, vous allez me trouver. Ouais, je vais noter l'auberge où il crèche et son nom. Et vous décidez de changer de carrière. Et il te regarde, Béatrix, il te fait un clin d'œil. C'est bien, hein. Tu vois ta nouvelle carrière, Béatrix. Ouais, c'est pleine d'opportunités. Ça dépend pour qui. C'est le chat quoi, l'auberge? Le chat méloman. Ah, le chapetoman, c'est à l'autre bout de la ville, te trompe pas. Bon, bah, on va se retirer. Oui. Ou alors, on l'ouvre en deux et on lui pique tout. Non, je déconne. C'est pas vrai, je pense que tu penses à... Vous ressortez ? Ouais. Bah, je suis pas bien à mon aise. C'est bizarre, hein ? Y a un mafieux qui t'a proposé un... Oh. Un mafieux, c'est un homme de bonne compagnie, je dirais même presque un homme d'honneur, tu vois. C'est et un négociant en pierre, comme le montrent ses richesses. Et en plus de ça, façon, moi, je pense il était content que... de moi, te recruter parce que t'étais honnête, tu vois, c'est quand même marrant. Hein. je pense qu'il veut bientôt se marier, juste, et du coup, il a investi dans la bijouterie. Ouais, jusque-là, c'est juste une simple transaction, hein. Bon, évidemment qu'il se fait de nuit, mais c'est tout. Ouais, quand t'as tué les deux nobles à la capitale, tu l'as fait de nuit aussi, hein, tu sais. En plus, tu ne les as même pas prévenu. What? Ouais. Alors comme ça, elle a tué deux nobles à la capitale? Ah ouais, c'était une horreur. Sur la table d'une auberge et tout, elle a
Le dernier, elle l'a pris, elle a mis ses mains sur sa mâchoire inférieure et supérieure, elle a écarté pour lui arracher le crâne. Et elle a chié dans la partie supérieure du crâne qu'elle avait arraché. Oh, classe. Voilà. Ça, c'était l'ingrédient secret de vie. Et j'étais moyennement en colère. Voilà. Alors, effectivement, voilà, quand tu ressors, t'as quand même une impression bizarre, Beatrix. Dans sale. Bon, je suis. Tu sais pas trop ce que t'as fait est bien ou mal. Bah justement, ouais. Je me dis qu'il va falloir conserver ce type à l'œil. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un orage, vraiment le temps de le conserver à l'œil ou autre part. Hein. Ouais. Bah pour l'instant, on va rentrer pioncer. On va se coucher et demain, on fait les boutiques. Ok, donc vous rentrez à l'auberge. Le patron vous regarde. Alors, il y a encore du monde, il y a moins de monde, mais il y a encore un peu de monde. Bon, on va se coucher direct, je pense. Hein. On va pas rester là. Pas mieux. Tampon, quoi. Ok. Petit test de force mentale, s'il te plaît, monsieur Tlon. C'est étonnant, tiens. Enfoiré. En même temps, tu l'as mérité. Raté. Ok. Bon. Oh, tu vas mal dormir, toi. Je vais mal dormir. Voilà, tu fais des cauchemars. J'avais dit que j'étais pas bien à mon aise. Voilà, tu fais des cauchemars. Tu te sens pas très bien. Tu sais pas. Et puis, le pire, c'est que quand tu te réveilles, t'as la pièce de Ranaz à la main, en fait. Je le savais. Oh, c'est pas le pire, je dirais, pour toi. Voilà. Et en fait, ça t'arrive. Ça t'arrive deux fois dans la nuit, en plus. Deux fois? Ouais. Alors la première fois en plus, tu t'es réveillé, tu as vu les pièces de Ranaz à la main et tu l'as balancé à travers la pièce. T'as essayé de te rendormir. Et la seconde fois, tu t'es réveillé, tu avais la pièce de Ranaz dans la main. Mais sur l'autre face. Donc tu te réveilles, t'es mal à l'aise. T'es pas bien. T'as l'impression d'avoir une gueule de bois. D'ailleurs, tu te demandes si t'as pas trop bu la veille. Ça doit être ça. Elle, le matin, si je me réveille avant elle, je lui mets ma pièce de Ranaz dans l'autre main. Non. Non, parce qu'en fait, elle fera rien. Voilà. Moi, je serais d'avis qu'on arrête là. Ça me va. Complètement d'accord. Bah, okay. Non, c'est pas que le réveil sonne à 6h. Ah, bah si, il sonne à 6h30 demain. Comment ça s'appelle déjà? Ah, oui, Bad Trip à Camperbad. Hein. On est bien d'accord? Ok. Non, Persona non grappa. Persona non grappa. Ouais, les ça, deux sont mis. Bien. Les deux sont mis. Ok, bah, j'aime bien moi le du coup, on va dire au revoir à tout le monde et puis je vais couper les enregistrements. Ouais, bah écoutez, bonne nuit à tous. Au revoir, bonne nuit, tout ça.